Bonsoir et bienvenue dans le talk sur la Web TV de Web Girondin. Cette émission est en accès libre et elle n'est possible que grâce aux sociaux qui nous soutiennent. Donc, si vous ne l'êtes pas encore et si vous le pouvez, devenez sociaux. Je vous envoie le lien sur le chat. Douche froide à Annecy. On en parle tout de suite dans cette émission avec une très belle équipe qui va se compléter au fil des minutes. Et on commence par le capitaine qui pilote ce vol, Monsieur Conan. Salut Conan. Salut Nico, salut tout le monde, salut les sociaux, les supporters, en espérant que ce lundi soit quand même joyeux pour vous, malgré, je sais que la météo n'est pas bonne de partout. Donc, tout à fait, oui, il peut avoir un temps gris quelque part. Je sais que par exemple, il pleut tout ce qui bouge du Rhône, tout ça, il pleut avec orage très fort. Donc, c'est très intéressant en effet de le savoir. Je m'adresse un peu à tout le monde. Maintenant, après le week-end footballistique a été footballistiquement médiocre aussi. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, avec. Merci Conan pour cette entrée en matière. En tout cas, tu es là pour piloter le chat et relayer les messages de ceux qui nous regardent. Il est là, à ta gauche, c'est Monsieur Gino Forte. Salut Gino. Salut les gars, salut à tous. Salut à tous les supporters. Comment vas-tu Gino? Ben ça va. Ça va malgré tout, malgré le match dont on va débriefer un peu. Et j'avais envie de faire un petit moment d'histoire avec cette une de Sud-Ouest qui date donc du jeudi 21 mars et qui s'appelait donc dans la légende après la une de Bordeaux-Milan AC. Et j'espère qu'on aura une peut-être de ce type samedi 3 juin. Et puis, écoute, on verra. On n'y est pas encore. En tout cas, c'est noté. Monsieur Jonathan D'Agostino qui est là. Salut Joe. Salut, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Je t'ai vu regarder avec un œil bizarre la une de Gino. J'étais là. Oui, après, ça, c'est des bons souvenirs. On espère que vendredi qui vient, on va encore une fois réécrire l'histoire. Tout simplement. Je l'ai dit dans le débrief. Une nouvelle page. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit dans le débrief. Hein. Mais la saison n'est pas finie. L'histoire. C'est un gros coup de massue, mais la saison n'est pas finie. Exactement. Et on accueille cette magnifique équipe, un avant-centre, Monsieur Samuel Vasselin. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous. Le finisseur. Salut, Samuel. Le finisseur. Bonsoir. C'est lui qui marque quand il frappe à chaque fois. Ouais. Bah, alors, j'aurais dû jouer vendredi alors. Mais enfin, je suis pas sûr que ça aura arrangé notre histoire. Comment ça va, Samuel? Voilà. Compliqué, hein. Ah oui, là c'est moins joyeux que la semaine dernière. Hein, moi, pour être honnête, je crois vendredi soir, je suis allé me coucher direct après. Et j'ai bien eu les boules sur le week-end. Ouais. Bien costaud, quoi. Nico, est-ce que tu as un bouton censure quand même ce soir, au cas où, tu sais, pour d'autres bips, s'il faut, on ne sait jamais, il y a des mots qui peuvent échapper. Ça va aller. On n'en a jamais eu besoin dans cette émission. Ça va, alors. On est affaire à des chroniqueurs responsables. On essaye. Plutôt. Tout à fait, on n'en a jamais eu besoin. Je fais quand même... Oh, un petit de temps en temps. Oui. Chemin de traverse de temps à autre. Une sortie de route. Bon enfant. Viril, des fois ça peut être viril. C'est vrai. Voilà. Mais correct. Comme on dit, viril mais correct. Dur sur l'homme toujours. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de réclamation. J'espère que ça continuera. Je fais quand même une petite dédicace à un collègue qui me supporte quand même depuis le début de la saison. Match après match, il faut savoir que quand je regarde les matchs, j'ai un collègue qui aime bien, parce qu'en plus, il me demande à chaque fois c'est quoi la composition de Bordeaux pour faire ses paris sportifs, tout ça. Donc, j'ai toujours le casque branché à la console et qui, bien sûr, pendant tout le match, subit dans ses oreilles mes hurlements, même quand il mange des fois à table, le casque posé sur le canapé, il m'entend de loin. Et je le salue, Aiko. Bien à toi, désolé pour tes oreilles, même encore ce samedi en me disant que je vais finir en PLS si je continue comme ça, parce que j'ai l'impression que j'allais faire une syncope. D'accord. Et bien on le salue, on l'embrasse. Messieurs, on est en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, sur Twitter aussi, normalement.
Pensez à vous abonner aux réseaux sociaux. On est 11 080. Merci, on a passé 11 000 abonnés. Merci à vous. Il manque 13 abonnés pour avoir les 11 100. Donc, ça serait génial si vous n'êtes pas abonné de pouvoir le faire. En plus, c'est gratuit. Hop, vous likez, faites hop, je m'abonne. Vous mettez déjà un petit like à cette vidéo. Et comme ça, vous pourrez participer au chat. Et je salue tous ceux qui nous regardent, les sociaux, 264 sociaux, et notamment à Gabriel du Beyrouth, du Liban, je voulais dire, du Liban à Beyrouth. Je cherchais, c'était quelle région de France. Non, j'ai les mots. Beyrouth, là. Non, du Liban à Beyrouth. Qui était sociaux, qui est redevenu, et Natips aussi qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à vous, messieurs. Je vous présente le sommaire avec un magnifique invité. Je suis très content qu'il soit là, et vous aussi, je le sais. Donc, première partie, on va la consacrer aux enseignements, l'analyse du match. 20h15, monsieur Ludovic Obraniak, plus de 550 matchs en pro, une carrière incroyable, qui sera avec nous pour nous donner son œil sur la saison. Et on parlera bien sûr de son passage aux Girondins de Bordeaux. Il sera avec nous pendant une demi-heure environ. Ensuite, on regardera les scénarios pour la montée en Ligue 1. On les a fait. Et ensuite, on parlera de Bordeaux-Rodez ou de comment aborder le match. Est-ce que, messieurs, ça vous convient? Parfait. C'est parfait? Bon, allez, c'est parti. Je crois que j'ai rien oublié. On va passer tout de suite aux enseignements avec le jingle. Allez, les enseignements, qui c'est qu'on fait commencer? Tiens, Samuel, qui va démarrer ses enseignements? Il les commence rarement. Alors, j'essaye de faire tourner pour que ça ne soit pas toujours les mêmes personnes qui commencent. Je crois que c'est Joe qui avait commencé la semaine dernière. Sans doute, c'est possible. Ouais. Et Gino, je fais commencer quand il va au stade. Bon, allez. Monsieur Samuel Vasselin, qui sera au stade sûrement vendredi. On va pas parler. Ouais. Ah, très bien. Magnifique. Comment, je ne sais pas, mais j'y suis. Bon. ça va s'arranger. Non, pas, on va en parler. Un peu comme mon équipe. On va t'écouter tout de suite pour tes enseignements de ce Annecy-Bordeaux. Bon, premier enseignement, et c'est celui que tout le monde a fait après le match, c'est de constater qu'après 37 journées, à une journée de la fin, Bordeaux n'est plus maître de son destin. Alors, je vais commencer par une pointe d'optimisme. Ce sera sûrement la seule de l'émission, mais c'est celle qui m'a aussi animé depuis vendredi soir. C'est que de 1, oui, Bordeaux entre guillemets n'a pas son destin entre les mains, au sens où tout le monde a envie d'entendre, parce que si Metz et Le Havre gagnent, Bordeaux sur le principe ne devrait pas monter. C'est pas dit que les deux gagnent. Moi, il y a un des deux clubs, je pensais pas jusqu'à il y a plusieurs semaines, mais qui me fait très peur. À la limite, pas forcément pour moi, mais c'est ouais, une manière de parler, et qui peut, je pense, nous faire une Borussia Dortmund. Donc voilà, donc je pense pas que ce soit fini à ce niveau-là. Et il y a un deuxième enseignement qui est important sur ce match, un enseignement dans l'enseignement, c'est que non, finalement, Bordeaux est plus ou moins maître de son destin. Alors peut-être que Bordeaux va devoir être contre nature, mais si Bordeaux met un vrai tarif à Rodez, Bordeaux peut monter même avec deux résultats défavorables, comme on dit. Donc oui, les chances sont minces, oui, les planètes sont plus alignées, oui, le résultat de samedi et le contenu font que tu étais dans une situation très complexe, mais il y a des issues. Il y a des issues, et c'est ce qu'il faut garder en tête, même si c'est triste quand même de devoir faire autant de calculs aujourd'hui à 4 jours du match contre Rodez. Le deuxième enseignement, et là on va commencer à attaquer la partie moins optimiste, moins souriante, moins bisounours, je suis quand même très 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 déçu de cette équipe, pour la simple et bonne raison que c'est la deuxième fois en l'espace d'un mois et demi où elle est confrontée à une situation où elle souffre, et c'est la deuxième fois où je la vois totalement se déconstruire, se désosser, où je la vois se dénaturer aussi, où je la vois stressée, je la vois paniquer, je la vois faire n'importe quoi. Et ce, que ce soit au niveau du terrain, des joueurs, mais aussi sur le banc de touche, où je vois un coach qui a toujours du mal à, dans ce type de match très compliqué pour lui, à arriver à avoir une lecture
nette et précise de la rencontre et arriver à la renverser. Je dis pas que c'est facile, mais je dis juste qu'au bout de la 5, 6e, 8e fois d'ailleurs, cette année en Ligue 2, j'aurais espéré qu'il puisse pour une fois arriver à renverser la vapeur parce que c'était le moment où il fallait le faire. Il l'a fait une fois à Amiens, mais c'était quand même sur un scénario et un contexte différent. Donc très 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 déçu de cette équipe, de ce, comme j'ai dit, du collectif, mais aussi de certaines individualités. Je pense qu'on y reviendra. Je pense que beaucoup d'individualités d'ailleurs sur le match de vendredi. Certains c'est de la maladresse, certains c'est du stress, de la panique, qui sont excusables mais très très dommageables à ce niveau-là. Et pour certains, je trouve qu'il y a une constance dans les contre-performances tout au long de la saison. Et ça m'amène à mon troisième enseignement, c'est que Bordeaux, que ce soit au niveau des hommes, au niveau des idées, ou au niveau des comment dire, des problèmes structurels, a traîné des boulets toute la saison. Vous me connaissez, c'est absolument pas une excuse en cas de non-montée vendredi. Au contraire, c'est un espèce d'inventaire, on va dire en avant-première de cette saison, c'est de se dire qu'il y a quand même, et c'est ce que j'ai constaté à Annecy, des individualités, des caricatures, des idées de jeu, des mimiques qu'il y a dans cette équipe qui toute la saison nous ont plombés et qui font que dans certaines situations, notamment celles quand on est mené, on est incapable de s'en sortir. Par certains, c'est un manque de caractère et de leadership. J'ai un nom qui me revient en tête et qui pour moi, sur le match de vendredi, a été catastrophique. C'est peut-être pas le plus mauvais, techniquement parlant, du match, mais dans le rôle qu'il a et dans l'importance qu'il est censé avoir. Et surtout, après les déclarations de son coach 3 jours avant, c'est Franck Sergio hein, dont je parle, mais qui aurait dû être bien au-dessus sur cette rencontre et ne l'a pas été. Et il y en a d'autres, ça va être par des lacunes physiques, par des lacunes mentales, que malheureusement, malgré un très très bon départ et un début très encourageant, n'ont pas été poursuivis et alimentés tout au long de la saison. Voilà. C'est assez long, je pense. Ouais, c'est très bien. Donc, il reste un infime espoir. Hein, c'était ton premier point. Donc, malgré ce coup sur la tête, on a encore la possibilité d'y accéder. L'espoir est toujours là. Une équipe de nouveau qui sombre et qui déjoue. Et ce qui t'a déçu, parce qu'on l'avait déjà vu cette saison à quelques reprises. Mais là, malheureusement, au moment où c'était important, elle n'a pas pu renverser la vapeur. Et troisième point, c'est qu'on traîne toujours les mêmes défauts. Les boulets. Ouais. Voilà, J'ai choisi le terme volontairement. mais voilà, moi je reformule avec un autre terme. Les mêmes défauts, les mêmes. Non, mais attention, un peu boulet, c'est pas négatif. C'est un boulet, c'est les mêmes un truc boulets, que les tu traînes au mêmes pied qui même t'empêche handicap, d'avancer. même handicap, Voilà. voilà, Ouais. qui te font pas avancer, avec notamment Franck Oui. Sergio et son manque de leadership et des lacunes Notamment. physiques ou techniques chez certains joueurs. Ouais, c'était Oui, très chez complet. certains et même collectivement, oui. Ouais. Eh bien, merci, Monsieur Samuel Vasselin. Monsieur Jonathan D'Agostino, on t'écoute. Non, ça va être dans la même lignée, mais moi c'est plus généraliste, on va dire, c'est que le premier enseignement, c'est la douche froide. On sait qu'on a perdu gros et on a l'impression que tout s'est un peu arrêté vendredi dernier à 23 h pour nous. On l'a vu lors du débrief, hein, beaucoup d'énervement, désespoir, colère, il y a plein de superlatifs qu'on pourrait dire, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ça fait partie des pires matchs, effectivement, qu'on a eu cette saison, et malheureusement, celui-là, il tombe vraiment très très mal, il tombe même au pire moment, je pense. Mais mon deuxième enseignement, c'est surtout l'incompréhension. Comment est-il possible d'être passé à ce point à côté d'un match aussi capital, et surtout en perdant l'une de nos forces essentielles, c'est-à-dire notre solidité. Je le dis souvent, on n'est pas flamboyant, mais sur les derniers matchs, on était très 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 très, très solide. Ce qui moi me rassurait et ce qui me faisait dire que on était parti pour monter en Ligue 1. Encore une fois, moi, je remets beaucoup en cause notre capacité mentale à gérer les matchs importants et surtout à l'extérieur, étonnamment. J'ai vu des joueurs énervés se précipiter pour tout et pour n'importe quoi, pour une touche, pour un coup franc. Mwanga était pas loin du rouge à un moment donné. On sent que l'énergie était pas dans le bon sens du tout. Pas d'énergie en début de match et après le but, tout le monde s'est énervé, mais enfin, tout le monde s'est excité, mais pas dans le bon sens, malheureusement. Les leaders n'ont pas réussi un petit peu à recentrer et recadrer tout le monde. Le coach et le staff n'ont eu aucun impact. C'est arrivé sur certains matchs. Alors, est-ce qu'ils analysent mal les matchs ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire passer le message? Là est la question aussi, mais c'est une question qui se pose grandement. Bref, tout le monde était un peu à côté de la plaque et c'est peut-être ce qui fait que cette équipe est peut-être un peu surcotée par moment en termes de qualité technique, etc. Parce que mentalement, je l'ai souvent dit cette saison, mais mentalement, cette équipe parfois me fait peur et je ne comprends pas comment on peut perdre
toutes ses, on va dire, toutes ses facultés et, tous ses, et toutes ses bases, juste parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au départ. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu dans cette équipe, et on l'a vu plusieurs fois cette saison, et malheureusement, à chaque fois que c'est arrivé, on n'a jamais su rebondir, en tout cas sur le match. Maintenant, et ça c'est mon troisième enseignement, c'est que nous sommes toujours en vie, et il reste encore un espoir. Certes, on n'a plus notre destin en main, mais cette saison est tellement improbable, et le niveau est tellement homogène, je trouve, de cette Ligue 2, que tout peut encore arriver à mes yeux. Vendredi 2 juin fera date, c'est sûr. Il faut espérer que ça restera pour nous un bon souvenir. Donnons-nous en tout cas les moyens d'espérer et de réussir. Parce que on a déjà assez de regrets cette saison. Ce serait dommage de s'en rajouter. Surtout de terminer cette saison-là de la mauvaise manière. Il y a quand même quelque chose, moi, entre guillemets, qui fait que j'ai envie qu'on y arrive. C'est parce que malgré tous leurs défauts, de ces joueurs, de ce staff-là, etc. et tout, j'ai envie de monter avec cette équipe-là, moi. Je ne sais pas pourquoi, mais. J'ai eu beaucoup de sympathie pour cette équipe, j'ai repris du plaisir, j'ai revibré, j'ai espéré, et j'ai pas envie d'être déçu. Je ne pourrais pas, entre guillemets, accepter d'être déçu par rapport à toute la saison qui a été faite de la part de tout le monde. Même si c'est pas parfait, on peut dire, je sais qu'avec Secta, on a eu débat par rapport au jeu, etc., qu'on pouvait mieux faire, etc. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, au-delà des joueurs, les hommes qu'il y avait pour moi cette saison, je pense qu'ils mériteraient quelque chose, en tout cas une récompense en fin de saison. Voilà. Incompréhension, capacité mentale à gérer L'événement, non, les l'événement matchs. Ouais. et quand même l'espoir et l'envie que ça fonctionne, quoi. L'envie que ça marche à l'arrivée, Et que ça marche parce qu'on a presque envie de dire il le mérite. Pour moi, c'est le cas. Oui. Après, comprendre que d'autres disent le contraire, Alors mais pour après, on moi, n'est c'est le peut-être cas. pas objectif parce qu'on est supporters des Girondins mais on a envie de dire il le mérite, quoi. Et ils ont quand même la saison, on va pas faire le bilan, mais Oui, non, mais après, non, parce que je vois elle a encore été très des. intéressante, quoi. Non, Voilà. parce que je vois Enfin... encore effectivement des. Voilà, fait des commentaires, c'est des chèvres, etc. et tout. Enfin, encore des. Voilà, encore des choses. Voilà, c'est toujours un peu facile quand on perd. Maintenant, quand je reprends toute la saison, quand je reprends les 4-5 dernières années, excusez-moi, mais cette saison, j'ai pris beaucoup plus de plaisir qu'en 4-5 ans au Girondins de Bordeaux. Malgré tout. Et quand je vois en C'est clair. plus l'été qu'on a eu, etc. et tout, c'est pour ça que j'ai envie que. Ils m'ont redonné un petit peu goût et espoir au Girondins de Bordeaux. Donc, c'est pour Et j'ai ça que pas moi, envie, j'ai moi, envie que de ce ça. soit une année à part avant des années de galère et après des années de galère, Et quoi. il y a ça aussi qu'il faut tenir compte, mais on essaie de le mettre de côté pour pas se mettre trop de pression aussi derrière. C'est toujours pareil. Voilà. Merci, Joe. Maintenant, c'est à la place du président, monsieur Ça gagne. Gino Forti. Président de l'amicale de chez Coco, oui. Là, on va commencer le premier. Le premier, ça va rejoindre les copains. C'est le gros raté dans un match capital. On attendait les Girondins sur ce match d'Annecy. Hein. On nous avait prévenu que ça serait pas simple là-bas, notamment dans le combat, et on n'a pas répondu sur cette première mi-temps, dans certains secteurs de jeu, le milieu de terrain qui a été une nouvelle fois catastrophique, des joueurs beaucoup plus en dedans. Hein, on va parler de Badji qui loupe des matchs de match en match, ça fait des semaines qu'il n'y est plus. Bokele, qui était un des soldats et qui est vraiment en difficulté, on a l'impression mentale et même peut-être physique, qui a du mal à répéter les efforts. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui n'ont pas répondu présent. Toute une grande partie du match, même s'il y a eu une meilleure réaction en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi parce qu'on a manqué encore une fois de réalisme devant et on attendait au moins de ramener le match nul qui nous aurait permis d'être devant nos concurrents, garder pleinement notre destin entre les mains et ce ne sera pas le cas. Donc c'est vraiment un gros raté dans un match capital qui est dommageable pour nous. Passé ça, j'ai envie de passer au deuxième et de me projeter aussi. Et j'ai envie de dire à David Guillon, David, il faut renverser la table. Ça va pas. C'est encore une fois, Sam l'a très bien dit, un David Guillon, à mon avis, qui prépare pas si mal que ça ses matchs, mais qui n'arrive pas, quand la difficulté est là et devant lui, à changer les choses. C'est du temps perdu sur les changements, c'est un changement schéma tactique qui ne va pas changer. C'est beaucoup de choses et ça a été encore le cas ce vendredi soir. Et moi, ça m'embête. J'ai envie de lui dire vraiment, il a réussi cette année à le faire, là où on l'attendait pas, à remettre du 4-4-2, à changer les choses. Et sur ce match de Rodez, il faut faire rentrer, à mon avis, du sang frais psychologique, du sang frais aussi au niveau sportif. Il y a certains joueurs qui sont sur le banc, qui ont cette fraîcheur, qui peuvent nous apporter des choses. Et donc, je demande vraiment à David Guillon de pas se louper parce que lui, il est essentiel. Dans cette approche du match de Rodez, et il faut vraiment renverser la table ce vendredi et faire quelque chose
Ben, de différents. Le troisième, ben, ça va arriver devant nous, c'est vendredi. C'est ensemble pour une dernière danse. Et ensemble dans une espèce de transe, j'espère et j'ai envie d'y croire. Parce que cette équipe, je dois en parler, il y a une ADN qui a été créée toute l'année, quelque chose qui donne envie de la suivre, qui a une équipe qui a des défauts, oui, mais qui a beaucoup de qualités, qui a des qualités mentales, qui a des qualités par sa jeunesse, par des hommes qui incarnent vraiment les valeurs du club. Et j'espère vraiment que on va avoir un stade plein de 40 000 personnes pour la première fois de l'année. Et ce match, peut-être qu'il faut qu'il bascule dans l'irrationnel. C'est pour ça aussi qu'on aime le foot. Et moi, j'espère vraiment, je sais qu'il y a des gens qui seront très tôt au stade, qu'il va y avoir, à mon sens, une ambiance. On l'a vécu cette année, des vraiment de belles ambiances. Et je pense que le meilleur est devant nous et vendredi. On a eu beaucoup la peur ces dernières saisons. On en parlait des 5 dernières saisons où c'était la peur qui nous rendait vivants pour notre club. Et ça a été plutôt le bonheur cette année qui nous a rendus vivants, qui nous a rendus fiers. Donc allons au stade vendredi, mettons toute notre énergie pour pousser ces joueurs à 200% en étant là tôt, en chantant, en faisant tout ce qu'on peut, de la première à la dernière minute. Et eux, je suis sûr qu'ils rentreront sur le terrain, j'en suis persuadé. Et voilà, moi je veux qu'on fasse ensemble un dernier match énorme au stade Galice. Merci Gino, tu m'as donné les frissons. Non. Si, si. Allez chercher l'émotion. On met je le maillot que... de suite, on y va sur le terrain. On y va, là, j'ai envie de dire. Ouais, on y va de ah, suite. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas. Je crois que tu grésilles, Sam. Hein. Encore? On verra, ouais. Mais il me semble. Ouais. Monsieur Conan, est-ce que je vois qu'il y a énormément de messages. Est-ce que tu souhaites en relayer? Oh, bah. On dira que sur le chat, nous vivons en théorie. Car en théorie, tout est bien. Alors, bon, entre la météo, on dirait un politicien. Je non, non, En gros, ça, on commence à avoir des beaux scénarios. C'est le Havre qui ne montera pas, qui va perdre face à Dijon. On va mettre 5 buts. On a l'inverse aussi, on ne montera pas du tout. On a des questions qui ont été posées, comme par exemple, si on reste en Ligue 2, si on ne monte pas. Est-ce que ça passera pour la DNCG? Ça critiquait encore l'arbitrage, pas du match de Bordeaux, mais du match de Bastia, où le but oui. Messin, machin. Oui. Voilà, on le sait, de toute façon, on l'a dit il y a 2 semaines ou 3 semaines de ça, que les arbitres de Ligue 2, en ce moment, c'est quand même une sacrée galère sur chaque match. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Donc. Malgré tout, il y a quand même une grande ferveur qui reste. Il y en a beaucoup qui veulent y croire toujours, soit pour en étant supporter, soit tout simplement en se disant qu'en allant au stade tous ensemble et en portant cette équipe, on y arrivera. Maintenant, ils ont des petits doutes sur ce que disait Gino, en pensant que voilà, rien ne changera au niveau de l'équipe, ça sera toujours les mêmes alignés. Quoi. Mais il a été étonnant cette année, donc moi je pense que c'est plus ouvert que ça avec Guillaume. Voilà, mais après, c'est vrai que pour en revenir, qui aurait pu dire, toi le premier d'ailleurs, Nico, qui nous avait fait la liste de Sochaux et de Metz pour les suivis de match, qui aurait pu dire que pour la dernière journée, on se battrait pour la première place avec le Havre et Metz, que le Havre baisserait autant de pieds et qu'on en serait là, quoi, voire même à tout est possible. C'est vrai que tout est possible. Hein. Merci Conan pour les messages du chat. Tout est possible. Samuel, toi qui pensais au titre, hein, tu disais tout est possible. Mais finalement, sur la dernière journée, même si on n'a pas les cartes en 1, tout est jouable. On peut terminer à la 1, à la 2 ou à la 3. Il va falloir quand même mettre le tarif hein, si on veut terminer à la 1. Mais oui, mais alors sur le titre, moi, je vendredi, c'est peut-être pour ça que je suis allé directement me coucher. C'est que j'avais encore plus les boules pour toi. C'est que vendredi soir, si Bordeaux avait fait le... Et c'est ce que je vous disais depuis des semaines. Et vous voyez, en fait, c'est là où, pour le coup, j'estime avoir été cohérent. J'ai dit, la seule manière pour Bordeaux de monter et de gagner le titre, c'est de gagner tous ses matchs. Si Bordeaux avait gagné tous ses matchs comme on l'avait suggéré, et donc avait gagné Annecy vendredi, Bordeaux aurait été au moins premier ex-aequo de Ligue 2 aujourd'hui. Donc, en fait, c'est pour ça, on l'a dit dès le début, il y a un championnat assez faible. Joe l'a dit tout à l'heure aussi, assez homogène. Mmh.
quand tu vois la dynamique du Havre en ce moment, tu vois son match encore vendredi face à Bastia. Quand tu vois Metz qui est en mode montée, parce que maintenant c'est on gagne les matchs 1-0, on met un but par match, on cherche Mikotadze, et puis après on voit quoi, on essaye de défendre intelligemment. Bah la seule utilité que tu peux avoir, c'est de remporter tes matchs et de faire les comptes à la fin. Là, le problème, c'est que tu commences déjà à faire les comptes aujourd'hui parce que tu n'as pas gagné tous tes matchs. Et il est là le souci. Donc, on fera les points sur les scénarios pour la montée après avoir reçu de Vic Aubragnac. Donc là, je vous montre juste le classement. Mais j'ai envie de vous poser une question pour continuer dans cette analyse du match entre Annecy et Bordeaux. C'est comment expliquer la défaite? Voilà. Vous avez parlé dans les enseignements. Comment on peut expliquer la défaite, Joe? Moi, comme je l'ai dit, je l'avais déjà signé auparavant, c'est le mental de cette équipe, en sachant qu'il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de joueurs qui n'ont jamais fait de saison complète avant cette saison. Très très peu de joueurs ont déjà vécu une saison complète en étant titulaire. Tu as des Barbé, des Nsimba, des Franchadjo qui l'ont déjà fait, mais après le reste, il y a toujours eu soit des blessures, notamment pour Maja, Ignatenko était jamais vraiment titulaire, Zuriko était pas un gros titulaire non plus. Beaucoup de tous ceux qui venaient sur nos formations, c'est la première saison en pro, donc il y a voilà, faut aussi se rendre compte aussi de l'effectif qu'on a, qui a de la qualité, il n'y a pas de problème, mais c'est un effectif qui découvre beaucoup de choses et qui découvre peut-être même la pression pour certains. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est autant planté parce que à chaque fois, enfin voilà, moi j'entends des choses. En fait, ça me surprend quand on me dit que Guillaume il n'a pas préparé son match ou il n'a pas de plan ou que ou qu'il a du mal à analyser les matchs. Moi, je pense pas qu'il soit aussi bête que ça. Maintenant, je pense qu'il n'arrive pas à appréhender le mental de son groupe. Moi, je pense que le problème, le vrai problème, il est là, c'est qu'il a jamais su, dans les moments difficiles, trouver les leviers pour faire réagir son groupe pendant les matchs. Après les matchs, après les grosses défaites, on a toujours su réagir, étonnamment. On a toujours su et bien réagi. Par contre, pendant les matchs, on n'a jamais su le faire. Alors, est-ce que c'est aussi malheureusement, l'effectif qui est restreint, notamment au milieu, il n'y a pas beaucoup de, comme on le dit, on n'a pas beaucoup de joueurs capables de prendre le ballon, on n'a pas beaucoup de profils. On a des profils qui sont sensiblement les mêmes, pas trop de joueurs qui se démarquent par rapport à ça. Faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui jouent pas à leur poste. Bokele à la base, c'est un central, Mwanga à la base, enfin, c'est un central, enfin, défenseur central, pardon, Mwanga, c'est un défenseur central aussi. Maja qui joue un peu électron libre, voilà, peut-être qu'il veut le faire aussi, mais c'est pas non plus sa qualité première au départ, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que tu as l'impression que par moment on se perd un petit peu et qu'on n'arrive jamais à se remettre sur les bons rails et qu'on n'a jamais réussi à trouver les leviers dans ce cadre-là. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on se retrouve au troisième aujourd'hui. Maintenant, putain, avec la saison qu'on a fait, je me dis que quand tu vois tout ce qu'on a bricolé et moi, l'idée de départ, je me dis si on est dans les 10 premiers, ça sera déjà bien. Quand je vois qu'on peut encore jouer à la montée, je me dis quand même qu'on a quand même, ils ont quand même fait un travail, les joueurs et le staff, qui est quand même pas mauvais à l'arrivée. Voilà. Maintenant, tout n'est pas parfait, c'est sûr et certain. Et il y a des choses qui n'ont pas réussi à corriger, malheureusement. Voilà. Gino, sur la même question, comment on peut l'expliquer? Le Joe, il fait le constat. Non, mais c'est Peut-être en tous fait ces un autre. points-là. Et puis, oui, c'est dur. On arrive en fin de saison, faut supporter la charge mentale. Parce que tu arrives avec une pression qui est supplémentaire. Regarde, on a un engouement qui est énorme, mais ça met aussi une pression qui est radicalement différente pour ces jeunes joueurs. Donc eux, peut-être que c'est compliqué, c'est la fin de la saison. Certains cadres, ça a été très bien dit dans le chat, on a des leaders sur certains secteurs de jeu qui est la défense, où là, on a des mecs qui tiennent la baraque, mais sur d'autres secteurs, on les a pas, ces leaders-là. Au milieu de terrain, c'est encore flagrant. Le but, il vient encore d'une relance du milieu de terrain qui est catastrophique. Je suis désolé. Et on n'impacte pas sur certains secteurs de jeu. Donc, tout ça mis en parallèle, on a David Guillon, on l'a dit aussi, qui est attentiste. Et moi, c'est ça qui me choque aussi. Il a des cartes quand même dans son jeu à jouer, David Guillon. Et il les joue tard. Un mec comme Clément Michelin qui rentre, c'est une bonne idée, je trouve, de faire rentrer Michelin parce qu'on sent bien que Bokele est pas bien. Et qu'à droite, il va pouvoir apporter. Mais c'est fait tard, c'est fait à la 57e minute ou un peu plus tard. Donc, on manque, pour moi, vraiment d'être impactant plus vite, d'être actif et pas en réaction, comme on l'est trop.
Et sur ce match, on attendait à avoir une équipe solide et qu'il soit plutôt comme ça. Et finalement, cette première mi-temps, elle est totalement à l'inverse. Elle est affreuse, la première mi-temps qu'on fait. Clairement, c'est affreux. C'est même affligeant. C'est peut-être une des pires de l'année. Donc, à ce moment-là de la saison, ça paraît un peu dingue, mais les copains l'ont dit. Malheureusement, cette année, ça nous est arrivé, notamment à l'extérieur, de passer un peu au travers. Parce que certains secteurs et certains cadres, et aussi l'entraîneur, ben, répondaient pas totalement à l'appel pour être une équipe top du championnat qui serait nickel de A à Z. Mais ça, c'est pas nous. C'est pas nous ce qu'on est, les Girondins de Bordeaux de cette année. Il faut peut-être faire avec aussi. C'est compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Samuel, si je te dis, je te pose la même question, hein, comment on peut l'expliquer? Et si je rajoute, Ivan Barbier, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas être partout. Il ne peut pas sauver l'équipe à chaque match. C'est peut-être un peu exagéré de dire ça. Mais ah, ton micro est fermé. Ah oui, je m'étais coupé au cas où ça grésille. Ah oui. Mais pour moi, tu mets le doigt sur un point important et c'est pour ça que j'ai un peu de mal quand j'entends le constat de Joe, parce que je trouve que voilà, on a une journée de la fin et on continue à ne pas vouloir faire notre inventaire et notre recul sur nous-mêmes sur la saison, du moins sur ce qui n'a pas marché, parce que donc il y a beaucoup de choses où je suis d'accord avec Joe ou avec des commentaires que j'ai eu sur le chat, mais à un moment donné, quand on dit on peut pas remettre en cause que David Guillon, il a fait avec ce qu'il avait, il a fait de l'excellent travail. Bah moi, je suis un peu plus nuancé et je suis désolé. Peut-être que ça fera de moi un anti-Guillon, mais moi, je pense plutôt que ça fait quelqu'un de, enfin, de moi, quelqu'un qui est un peu plus lucide, dans le sens où, bah, vous voulez que je vous rappelle tous les matchs cette saison où on s'est dit que Bordeaux, après avoir mis un ou deux buts sur des coups de pied arrêtés, sur des pénaltys, s'est mis à reculer, à arrêter de jouer, à subir par son adversaire, parfois même à prendre des buts, même si on l'a rappelé dans cette émission, mais il y a une défense très solide. Il y a eu énormément de moments où on a critiqué la gestion David Guillon dans des matchs, encore une fois, qu'on a remporté mais qu'on n'a pas maîtrisé et dans lesquels on n'a pas pu enfoncer le clou alors qu'on était au-dessus de notre adversaire, du moins sur les 30-45 par minute. Il y a eu des matchs où, au contraire, il y en a eu 8 cette saison où on a été mis en difficulté, notamment à l'extérieur, et on n'a jamais su revenir à un moment donné dans le match. Donc moi, quand je lis encore des commentaires où on me dit « David Guillon a fait de l'excellent travail », ben non. C'est faux. Factuellement, c'est faux. David Guillon a fait du bon travail cette année, voire du très bon travail, mais de l'excellent travail, non. Parce que même Lucas Hesner n'a pas fait de l'excellent travail cette année, alors qu'il fait une bien meilleure saison que David Guillon. Mais je suis désolé. On ne peut pas dire ça cette année, parce que aujourd'hui, quand on dit il fait avec ce qu'il a, ben non, il n'a pas fait avec ce qu'il a cette saison. Et on l'a répété semaine après semaine ici. Piringuel, il n'a quasiment pas joué de la saison. On a commencé à le voir sur les 6-7 derniers matchs, 10 minutes. Quand Bordeaux menait 2-0, il a jamais tenté il a jamais tenté des alternatives au milieu de terrain. Il a jamais essayé de relancer Delorier Chauvet après l'avoir mis au bagne après le match de Coupe de France. Je crois que c'était en octobre ou en novembre. Donc dire que David Guillon est mauvais, ce serait malhonnête, mais ça l'est tout autant de dire qu'il a fait un super travail, qu'on peut rien lui reprocher, qu'il a fait ce qu'il avait. Et c'est comme dire pareil sur Gérard Lopez, c'est comme dire pareil sur les joueurs aussi, parce qu'il y a des joueurs, on ne peut pas dire cette saison qu'ils ont fait, etc., tout ce qu'ils pouvaient sur le terrain. Non, il y en a qui se sont pas donné à fond. Donc moi, je suis désolé. On aura le même constat, de toute façon, moi, en tout cas, j'aurai le même constat la semaine prochaine en cas de descente ou montée, donc on pourra en rediscuter à ce moment-là. Mais je suis désolé. À un moment donné, c'est quand même assez simple d'être honnête, d'avoir un peu de recul et de se dire que si on avait vraiment fait les choses aussi parfaitement, vu le niveau du championnat, et on l'a dit chaque semaine, qui est assez faible, eh bien Bordeaux serait en Ligue 1. Et on aurait, par exemple, gagné le match contre Annecy. Parce que contre Annecy, dès la 20-25e minute, quand ça commence à tourner au vinaigre, il y aurait eu des solutions, il y aurait eu des choses entreprises sur le terrain. On ne les a pas vues, comme à Nîmes, comme à Saint-Etienne, et je ne vais pas vous refaire tous les matchs. Donc c'est que non, ça n'a pas été parfait, et ça n'a pas été si bien géré. De là à dire que c'est catastrophique, non. Mais encore une fois, il y a des choses dans lesquelles il va falloir bien se regarder dans un miroir. Et moi, je lance déjà le premier pavé dans la mare. Moi, par exemple, surtout après le match de vendredi, je ne pense pas que David Guillon soit le bon entraîneur pour poursuivre aux Girondins l'an prochain, par exemple. Peu importe la Ligue 1 ou la Ligue 2. Sans lui enlever qu'il a fait une saison plutôt bonne, mais son travail, moi, ne m'a pas convaincu aux Girondins. Il n'a pas réussi, que ce soit l'an dernier dans sa mission Ligue 1 ou cette année dans sa mission Ligue 2, à apporter de la sérénité au club et à lui faire atteindre ses objectifs pour l'instant. La sérénité, si. Sam, la sérénité, si, cette année. Dans certains secteurs qu'on a beaucoup identifiés et dont Nico vient de le dire dans sa question, incarné par des hommes qui, pour le coup,
eux ont amené énormément de sérénité dans leur performance. Ouais. Alors bien sûr, Guillon a ça largement sa part, bien sûr, là-dedans. C'est lui qui a construit cette équipe. Mais Nico l'a dit dans sa question, et moi je trouve que c'est important, Johan Barbet ne peut pas tout faire. C'est un peu Ça caricatural, mais on oui, l'a dit à beaucoup de ça moments c'est cette clair, saison. ça c'est clair. Vital Skimba faisait l'organisation du jeu en étant un latéral gauche. Barbet était le key player en étant un tireur de coups francs et un défenseur central. Gregersen était le joueur le plus solide de l'équipe, alors que c'est celui qui joue le plus près de Gaëtan Poussin. Il y a quand même pas mal de secteurs où on a des lacunes et certains où on a des comment dire, des certitudes, mais incarnées uniquement par des individualités. Moi, ça me dérange, je suis désolé. Donc encore une fois, et je vois sur le chat, j'ai hâte de voir Samet coach. C'est pas mon boulot. Moi, en plus, Alexis, qu'on connaît, c'est ridicule de dire ça, Alexis. Oui. À un moment donné, dans Jo, ce cas, quand tu vas au alors. cinéma, tu critiques pas un film parce que t'es pas réalisateur. On est là, nous, pour observer. On connaît notre club, on voit comment il évolue, on regarde les autres équipes, on est là pour observer. Je pense qu'il faut pas être entraîneur de foot pour constater quand une équipe joue mal ou joue bien. Je pense. Jo, tu veux Ça va répondre très à bien. Samuel, Jo? Par rapport à ça, après, il y a un truc où on n'est pas d'accord généralement avec Sam. Déjà, c'est lui trouve que l'effectif est de bonne qualité. Moi, je trouve qu'il n'est pas de si bonne qualité que ça comparé à certains autres effectifs parce que je ne trouve pas équilibré. Moi, déjà, de base. Déjà, tu joues avec deux Oui. attaquants, tu as que deux attaquants. Tu joues avec un milieu qui n'est pas un milieu. Tu joues avec un latéral droit qui n'est pas un latéral droit. Il y a beaucoup de choses, voilà, qui font que moi, c'est pour ça que je ne dis pas que Guillon a été parfait, loin de là. Mais je n'ai pas non plus envie de le fracasser parce que je trouve que malgré tout, par rapport à ce que j'appréhendais de la saison, c'était au-delà de mes espérances ce que j'ai vu cette saison. Après, effectivement, la qualité de jeu, etc., effectivement, on peut pas dire qu'on s'est régalé, effectivement, en termes de football. Après, tu parles effectivement qu'il y a des individualités qui font plus la différence sur certains postes, mais l'effectif, il est composé aussi pour moi comme ça. Zourico, c'est un Ah mais individualiste. tu connais Bakoua, c'est un individualiste, tu vois Joe, ce que je tu veux dire? connais mon avis sur la construction d'effectifs et sur la personne qui est en charge de le faire. Hein. Donc c'est pour ça. Donc après c'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop dur avec Guillon. Il y a des choses effectivement qui sont mal gérées, notamment effectivement les changements, etc., les choix parfois, etc. Il y a aucun problème par rapport à ça. Maintenant, voilà, de là à dire que c'est pas effectivement, faudrait pas le garder. Je suis pas totalement d'accord. J'attends de voir moi après dans un autre contexte et d'autres circonstances. Maintenant, après c'est pas nous qui décidons, c'est qu'un avis, c'est pas une Oui. vérité absolue non plus, c'est toujours pareil. Mais moi je trouve que par rapport à l'effectif, comment il est construit. Très sincèrement, et quand je vois notre faiblesse au milieu, je me dis quand même qu'on joue la montée la dernière journée. Franchement, en début de saison, je t'aurais dit non mais laisse tomber, mon gars, me parle pas quoi. Mais si, sincèrement, je t'aurais dit ça, je t'aurais dit non mais c'est même pas la peine de me parler de Mais ça. pourtant, on a fait des émissions et on se l'est dit, et oui, t'étais pas le plus optimiste, mais moi, je pensais vraiment qu'avec ce qu'il avait à disposition, et on l'a vu dès les premiers matchs, il pouvait le faire. Et c'est pour ça que je lui en veux, que c'est, enfin, je lui en veux non, mais je pense qu'il a une part de responsabilité dans certaines choses qui n'ont pas été maîtrisées. Ça, c'est possible aussi. Messieurs, notre invité est là, je le vois, il est en backstage. Écoutez, il vient de recadrer sa caméra. Un Bordelais qui Je crois gagne. qu'il nous entend. Un Bordelais, il a gagné. Il n'a gagné, mais il n'a pas gagné qu'avec Bordeaux. Il a gagné avec plein de clubs. Donc, je vais l'intégrer au live tout de suite. C'est Monsieur Ludovic Obraniak. Bonsoir et bienvenue, Ludo. Salut les copains. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Je Ça suis va? très content que tu sois là. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ça va très bien. Oui, on s'est déjà vu, donc on peut se tutoyer sans problème. C'est vrai, on peut se tutoyer. Eh bien, merci Si, d'avoir alors, accepté l'invitation. on peut se tutoyer, mais il faudra que je repasse les vidéos où tu as dû me fracasser deux, trois fois à l'époque. Ah oui, Il c'est faudra que je me vrai. les À repasse. l'époque, Il y a prescription! il Il a y a raison de le prescription! dire, il a raison, Oh il a là raison, il a raison, il a là. parfaitement. Ne jamais Non, oublier, c'est tellement passé. je suis pas rancunier. On a eu, j'ai fait une vidéo avec Faïd Ben Kalfala. T'as joué avec lui, Faïd, ou pas? Ouais, À Fafa Bordeaux. 10. Ouais. Eh ouais, Fafa 10. Eh oui, Ouais, on évidemment. l'a eu là sur Web Girondin. Il n'aura pas tenu rigueur. Hein. Ça a été formidable l'entretien qu'on a fait avec lui. Hein. Valait mieux quand Voilà. Voilà, mais il était adorable. Bon, en tout cas, merci d'être là. Je suis très content que tu sois là. Je vais quand même replanter le décor pour situer, pour ceux qui ne te connaissent pas, il y en a peut-être, hein, des plus jeunes, même si ça fait pas longtemps que tu as arrêté le foot. C'est 550 matchs en pro, 34 matchs internationaux, formé à Metz. Champion de France de Ligue 2 avec Metz 2007, champion de France avec le LOSC 2011, une Coupe de France avec le LOSC, une Coupe de France avec Bordeaux, une Coupe de France avec le Maccabi Haïfa, Une coupe Coupe de d'Israël. France, Coupe de Une France, coupe Coupe d'Israël, d'Israël. pardon. Et j'ai pas commencé l'apéro. Il est très bon en jeu. J'ai pas commencé l'apéro. C'est une Non, je bouteille vais parler derrière, il t'a pris une de... bouteille. Mais non, j'ai une gourde et
Non, mais ça, voilà. Sacré que tu vois quand même, hein, franchement. Château voilà. Pietrelli. Ouais, non, mais quelle carrière! Quelle carrière! Et j'ai vu qu'hier soir, tu étais au trophée UNFP. Ouais. Quelle entrée! Des lunettes magnifiques. Comment sont les Bordelais? Est-ce que tu as pu discuter avec eux? C'est ma première question. Les Bordelais, c'est-à-dire les anciens coéquipiers? Ah, ben c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Alors, je pensais au Barbet, Poussin, si tu avais pu échanger avec eux. Je les ai croisés furtivement. Ils venaient récupérer leur trophée du 11 type. J'ai parlé légèrement avec Johan Barbet. Il m'a remercié pour les mots que j'avais eus à son encontre, puisque, à mon sens, il aurait dû être dans les meilleurs joueurs de Ligue 2, voire peut-être le meilleur. Alors, c'est vrai que Miko Tadze a fait une saison exceptionnelle. Après, les trophées arrivent parfois trop tôt, en fonction de l'équipe qui va monter entre Metz et Bordeaux. Si Bordeaux monte, je pense que Johan aurait mérité le titre de meilleur joueur de Ligue 2. Ça n'engage que moi. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est dans l'équipe type quand même avec Josh Maja. Ils sont dans l'équipe type de Ligue 2. C'est vrai qu'ils ont été Bon, attends, reconnus. t'as un défenseur central. Je crois qu'il a marqué 7 buts. Coup franc, coup de pied arrêté. Il fait partie de la meilleure charnière pour moi de Ligue 2 cette année avec le meilleur tandem avec Greg Hersen. Il a porté l'équipe à bout de bras. Il a été un leader insoupçonnable. Honnêtement, je me rappelle de ses pleurs et de son angoisse à l'approche du mercato où ça s'est joué à quelques heures ou à quelques minutes. Je sais pas, je trouve que ce garçon, c'est la première fois que j'arrive à m'identifier totalement un garçon. Quand je pense Bordeaux, je pense Barbet. Voilà, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est exactement ce que disait Gino tout à l'heure, l'ADN. Ouais. Ils ont cette équipe a donné une ADN Girondin. C'est vrai que c'est assez Non, mais c'est incroyable. intéressant parce que nous, en tant que supporters, on le voit comme ça, en fait. Et c'est intéressant de voir un ancien joueur pro avoir le C'est même clair. ressenti. En fait, tu te dis qu'en fait, ce mec, il dégage vraiment quelque chose de bon pour le foot et de bon pour les Girondins de Bordeaux, tout simplement. Au-delà du joueur, c'est l'homme, en fait, que t'as, en fait, qui est là et qui dégage un truc où tu as envie d'aller à la guerre avec lui, quoi. Tout simplement, c'est juste ça. Enfin, moi, quand il rentre sur le terrain, quand je sais qu'il a le brassard, ben, j'ai envie d'être. Voilà, on aurait fait derrière lui. Derrière Puis, lui, ouais. Il n'y en a pas beaucoup hein, des joueurs comme ça. Moi, dans les derniers que j'ai en tête, alors même si tu avais un Malcolm qui était excellent, mais de l'époque de Ludo, il y avait échec, quoi. Il y avait, voilà, parce que c'était. Il y avait un Carasso aussi. capital. Et Carras, ouais. Car... ouais mais après, moi, Carras, je suis pas objectif parce que j'étais un fan absolu. Donc, Carasso, je sais jamais sur quel niveau le situer. Mais oui, non, mais voilà, il y avait Diabaté qui représentait vraiment où tu pensais Diabaté, tu pensais Bordeaux. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup depuis Ouais, aussi, ça fait du bien. très Très Moulinas. Moulinas, Planus. Un peu, ouais, mais c'est un peu Planus. avant. Hein. Mais Un peu l'asile. avant, Arpège, Ouais, L'asile. Planus. L'asile. Ouais, l'asile, c'était différent quand même. Tu vois, Ludo, il était Ouais, les parti à gars, Catane et tout. Non, non, ouais, énorme respect à Planus, mais il a fait c'était quelques années moins. quand même. Ouais, mais c'était moins, je sais pas, Plasil, même si c'était un bon, même un mec assez chaleureux et tout, mais il avait un côté plus froid qu'un Barbet ou un Diabaté. Tu t'identifies vraiment à ce type de mec, quoi. C'est plus qu'un capitaine comme Plasil, c'est limite l'icône, l'idole de ton équipe. Non, tu te trompes, Yaro était ch très chaleureux, mais il était Ouais, râleur comme non, bien sûr. pas possible. Il râlait tout le temps. Tu sais, l'optique de la perfection. Il faut dire qu'il a vécu des choses aussi, lui, dans sa première partie de carrière avec Monaco. Donc, il avait toujours l'exigence du haut niveau, Yaro. Donc, c'est vrai qu'il était, c'était un éternel insatisfait, il râlait tout le temps. Ludo, tu es formé au FC Metz. Dans quel état d'esprit es-tu aujourd'hui avec Metz et Bordeaux qui sont au coude à coude pour la montée en Ligue 1? Bah, dans quel état d'esprit je suis, c'est difficile pour moi parce que Eh ouais. Metz, j'ai quand même, c'est toute ma vie, Metz. J'ai commencé, j'avais 5 ans, hein, jusqu'à pro, j'ai grandi dans ce club. Bordeaux, je suis resté que 2 ans, mais paradoxalement, j'ai tissé des liens je sais pas, il y a quelque chose avec ce club qui dépasse un peu l'entendement parce que 2 ans c'est très court. Mais j'ai pris énormément de plaisir à être là et j'ai tissé des liens avec tout l'environnement girondin, joueurs, dirigeants. Je peux parler de l'administratif surtout avec les gens du château. Pour moi, Bordeaux, les Girondins, c'est le château, c'est le vaillant.
si tu gagnes pas le château, tu peux pas évoluer dans ce club-là. C'est difficile. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont passés, qui étaient des gens compétents et qui sont passés comme ça. Ils n'ont pas réussi à gagner le cœur du château et ils n'ont pas compris ça. Mais difficile de se positionner parce que aujourd'hui, au Girondin, j'ai joué 2 ans. Paradoxalement, je fais partie d'un comité qui me reconnaît comme un joueur ayant compté. On me demande de participer à tout ce qui touche à l'environnement des Girondins. Metz, je pense qu'il n'y a personne qui a fait mon parcours 5 ans à pro et jouer en pro et faire une montée champion de France de Ligue 2. Je pense que c'est du jamais vu, puisque Robert et Miralem Pjanic sont arrivés à l'âge de 12 ans, 12 ou 13 ans. Bah, figurez-vous que je suis pas invité au match, je suis invité à Bordeaux et que il y a eu tout un truc au centre d'entraînement avec des plantées d'arbres en fonction des différents joueurs qui sont passés au club. J'ai pas mon arbre quoi, tu vois. Donc après c'est une question de lien que tu gardes aussi. Le FC Metz sera toujours dans mon cœur, mais il Il y a y a quoi une comme forme de. arbre alors? Ouais, il y a tous les joueurs qui sont. Il y a tous les joueurs. Faudrait que tu regardes, mais. En tout cas, Salut. j'ai pas le mien. En tout cas, j'ai pas le mien. Donc, Ouais, il n'y a pas de reconnaissance. C'est bizarre quand même. Enfin, c'est d'où de l'extérieur. C'est vrai que c'est. c'est très, très. Enfin, je sais pas. Je me l'explique pas. Et c'est vrai qu'on a rarement d'invitations pour les anciens joueurs. Je sais pas. Donc, finalement, tu te dis, le lien, il se détend un petit peu parce que. Bah, quand tu crois avoir fait partie de l'histoire d'un club, alors certes, je ne l'ai pas marqué de manière. On n'a pas fait de titre majeur, je n'ai pas fait partie de l'épopée 98, mais quand même, le parcours, il est. Bah, je sais pas, partir de si bas pour arriver si haut, je trouve qu'en termes d'exemplarité pour des jeunes, d'autant que Metz est resté un club formateur, bah, on peut pas trouver mieux comme parcours. Donc ça m'attriste beaucoup, mais je dirais que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Très belle réponse. Comment les Girondins ils doivent aborder? Et après, je donne la parole à mes compères hein, autour. Ça sera ma dernière question. J'en ai d'autres après sur le parcours à Bordeaux. Mais comment ils doivent aborder ce dernier match face à Rodez? Tu en as joué des matchs couperet. Comment il faut faire, d'après toi? Bah, tu sais, le meilleur moyen de. Parce qu'il va y avoir beaucoup de pression sur ce match, évidemment. Le meilleur moyen d'évacuer la pression, c'est d'être actif, c'est d'être acteur de son match. Je pense que l'idée de se dire il va falloir aller au goal average et peut-être marquer le plus de buts possible dans ce match-là est peut-être, à mon sens, la meilleure approche, c'est-à-dire marquer dans le premier quart d'heure. Bien sûr. Marquer dans le premier quart d'heure tout de suite, mettre une énorme pression sur cette équipe, ne pas la laisser respirer, d'autant qu'elle a aussi peur de descendre. Je ne sais pas s'ils partiront la fleur au fusil face aux Girondins de Bordeaux à Bordeaux. Donc l'idée, c'est d'acculer cette équipe et d'essayer de marquer le plus vite possible. Et puis après, en fonction des scénarios, eh ben t'aviseras. Mais mener au score rapidement est pour moi la clé de ce match-là. Et pour ça, ben, il faut être agressif et il faut être acteur du match. Donc il faut jouer dans le camp adverse, il faut mettre un maximum de pression, faut imposer un pressing tout terrain, faut prendre des risques. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, la clé de la fin de saison, c'est de ce dernier match, c'est prendre des risques. Tu crois qu'il peut modifier sa compo ou ça sera du classique, David Guillon? Je sais pas, il a souvent alterné la doublette. Moi, j'aime bien, alors même si elle a pas bien fonctionné sur le dernier match, j'ai toujours bien aimé le tandem Badji-Maja. Moi, j'aime bien quand les deux jouent ensemble. Je trouve que Maja est moins influent lorsque Badji est pas là. Badji, quand même, comme l'était Cheikh Diabaté avec Gouffran un peu à l'époque, vous vous souvenez? Oui. Johan, il était bien mieux quand Cheikh était là parce que Cheikh, sa présence, elle pouvait attirer l'attention de la défense adverse et ça laissait à Johan beaucoup plus d'espace. Ben, j'ai l'impression que Maja est meilleur quand Badji est là. Après, il faudra peut-être faire un choix entre Pitou et Bakua. C'est vrai que Bakua a fait une première partie de saison magnifique, mais il est en difficulté clairement depuis la deuxième partie de saison. Je trouve que le jeune Pitou, en collaboration avec Nsimba, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Ça a du panache, ça a de la fraîcheur. Si tu dois justement aller créer de l'incertitude, du risque, et puis créer cette source de magie aussi, parce que entre David Tajvili et lui, il y a quand même des garçons qui sont techniquement fins et propres. Après, j'aimerais que Vital Nsimba et Bokele, si c'est lui, participent un petit peu plus. Je trouve que c'est ce qui nous a manqué sur les derniers matchs, c'est l'apport des latéraux.
On a la chance d'avoir deux attaquants et un attaquant qui fait plus d'1m90. Il faut l'utiliser quand même à bon escient. Je trouve que ça manquait quand même de situations en centre avec des ailiers qui rentrent à l'intérieur et des latéraux qui puissent dédoubler et apporter un petit peu plus d'incertitude. En fait, il faut qu'on ait des approches d'attaque un petit peu moins stéréotypées. Bon, on voit que tu regardes les matchs en tout cas. Ouais, c'est clair. Plus que regarder, ouais. Ouais. Justement. Vas-y, ouais, vas-y Joe. Ouais, alors moi, c'est juste une question par rapport à l'attaque, justement. On parlait. Alors, déjà, Rodez, qui est un peu gênant, parce qu'effectivement, les latéraux, on a l'impression qu'ils apportent moins qu'en début de saison. Parce que je pense que les adversaires aussi l'ont un peu compris. Et Rodez, ils ont une force quand ils défendent, c'est justement de bien bloquer les côtés. Ils l'ont bien fait contre Saint-Etienne. Donc, déjà, ça va être effectivement un mal dans le match à ce niveau-là. Si on prend le dessus déjà très vite à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, les latéraux vont vite commencer à créer des paniques, effectivement, en face. Maintenant, moi, il y a une question que je me pose. Quand je vois Bakwa, effectivement, qui depuis quelques mois, on va dire, est moins décisif, quand je vois Badji, qui a pu marquer depuis 2 mois, chose qui arrive régulièrement maintenant, malheureusement, dans ces saisons, quand je vois Maja, avec ses pénaltys qu'il a raté, j'ai l'impression que l'occasion qu'il a contre Annecy, s'il est bien dans sa tête, il la met au fond. J'ai cette sensation-là, je ne sais pas pourquoi, mais donc je sens que l'attaque est un petit peu dans le flou et un petit peu en train de balbutier actuellement, alors qu'il va falloir qu'on marque. Comment toi, tu ferais pour appréhender justement la situation? Parce que tu sais que ton attaque, actuellement, elle est pas dans de bonnes dispositions, alors qu'il va falloir qu'on marque peut-être 4-5 buts, peut-être pour vraiment se donner le maximum de chances pour monter. Bah, c'est ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est d'augmenter les probabilités. Plus tu seras dans la surface adverse, plus tu auras l'opportunité de faire mal à cette équipe. Ouais. Si tu décides de partir très fort, en voulant marquer les premiers, en imposant un tempo, en mettant ton rythme, en jouant dans leur camp, en étant hyper agressif, et forcément, tu vas à un moment donné créer des situations, il va se passer des choses. Je veux dire, tu parlais des joueurs. Si on est haut, on va pouvoir avoir au moins un des deux latéraux qui va être haut. Mmh. On va pouvoir avoir Pitou ou David Tajvili ou Bakwa, à la limite, dans l'entrejeu. C'est-à-dire que ces garçons-là ne vont pas rester collés à la ligne, du coup. Ils vont rentrer dans le jeu, ils vont se mettre entre les lignes. Et c'est là qu'il va pouvoir. C'est pour ça que le rôle de Badji me paraît important. Cette équipe, elle va jouer bloc bas, à mon avis, Rodez. Oui. Il va falloir un garçon qui joue ce rôle de pivot, qui joue ce rôle de peut-être de menace dans les airs, de déviation. En fait, il faut retenir, il faut capter l'intention des défenseurs centraux de Rodez pour pouvoir justement libérer un petit peu plus d'espace. Moi, ce que j'aime bien, et il ne le fait pas assez souvent à mon sens, mais quand il le fait, il est redoutable. Franz Sergio, quand il vient comme ça en deuxième rideau, il l'a fait plein de fois cette année. Quand il le fait, il est très bon. Il l'a moins fait sur les derniers matchs. Donc, est-ce qu'on pourrait pas mettre peut-être une sécurité et dire à Monga, voilà, Monga, tu restes là, tu es devant les deux centraux, on garde la sécurité. Et Franz Sergio, on l'envoie parce qu'à chaque fois qu'il arrive de derrière, il surprend. Il surprend, il arrive lancé. Et je trouve qu'il a marqué beaucoup de buts comme ça, ou en tout cas, il s'est créé beaucoup d'occasions comme ça cette saison. Je l'ai pas vu jouer ce rôle-là sur le dernier match à Annecy. Mmh. Ça m'a un peu gêné. Comme à chaque fois qu'il y a de la pression, Ludo, c'est ça le problème avec Franz Sergio, en fait. C'est que t'as raison, mais il nous l'a fait sur certains matchs. Dès qu'il y a de la pression, justement, il n'arrive pas. Et c'est pour ça que Mwanga souvent remonte. C'est parce qu'il n'arrive pas à occuper ce rôle. Il redescend. Je me souviens notamment le match à Caen, c'était le plus criant où il avait fini derrière Barbé et Regersen, quoi. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que ça peut faire partie des joueurs à changer samedi, par exemple. Moi. Et puis, il ralentit le jeu aussi de l'équipe par moment, dans le tempo. Vu qu'il n'est pas en capacité quand même sur un match de faire des efforts sur la continuité et de l'intensité, je trouve qu'il y a des moments où, comme dit Sam, il pénalise un peu l'équipe. Vous mettriez qui, du coup, au milieu à sa place? Moi, je vais étonner parce que… Moi, je vais étonner, me dites pas Niatenko quand même. Non. Et Ludo, non, justement, je pense qu'on fait comme toi. Non, on le garderait. Mais les consignes que tu donnes, je pense que c'est là où tu as raison. C'est pas qu'on veut l'enlever, parce qu'on sait que c'est notre joueur le plus technique au milieu de terrain. Et on va faire avec jusqu'à la fin de la saison. Mais comme tu le dis très bien, c'est au niveau des consignes et de ce qu'il fait sur le terrain. Et c'est là où il y a un vrai paradoxe et un vrai souci qu'on a, nous, en tant que supporters des Girondins. Parce qu'on sait que pour le niveau, il a la capacité. C'est un des joueurs, normalement, qui, pour moi, au milieu, doit amener tout ça. Et il l'amène pas vraiment sur certains matchs. Là, il est cyclique, en fait. Il peut te faire des choses incroyables et passer complètement à côté. Moi, je crois qu'il y avait un vrai travail à faire avec lui au niveau du volume de jeu. Je crois que c'est un garçon qui doit travailler sa capacité aérobie. C'est-à-dire qu'il est, il n'est pas à même de pouvoir répéter les efforts comme ça sur une série. C'est-à-dire qu'il va faire un très bon match ou deux très bons matchs.
puis un match moyen, un mauvais match. Et puis, il va revenir très bien. Il a du mal à enchaîner comme ça des séries de 4-5 matchs où il est ultra brillant. Je crois qu'il a vraiment, parce que techniquement, on ne va pas se mentir, il a quand même du ballon plein les pieds. Il doit passer un cap sur le plan physique, Franck Sergio. Ah oui. Et tu le sens, dès qu'il est bien physiquement, bim, il peut même parfois être en box-to-box. Il enchaîne les trucs. Et je te dis, quand il commence à se présenter dans la surface de réparation, je trouve qu'il a une science de venir comme ça de derrière sur parfois. Et c'est ce qui peut surprendre. C'est-à-dire que quand Badji décroche, si Maja est sur un côté à un moment donné sur l'action, lui, il peut prendre dans le dos de Badji et se déporter comme ça et de se proposer dans la profondeur. Mais il faut qu'il soit à l'aise physiquement. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Mais tu peux dire à mon gars, OK, toi, tu restes là, un peu comme faisait Rio Mavuba, tu vois, le mec qui comble, qui va tout combler. Et comme tu vas envoyer plus Nsimba que Bokele, tu peux dire à Bokele aussi de rentrer un petit peu à l'intérieur du jeu pour sécuriser et du coup libérer un peu plus Franck Sergio. Mais celui qui le fait dans l'équipe, souvent, c'est Lacou, cet homme Lacou qui a ce rôle-là. Et qui est moins mis dans l'équipe, mais qui a cette notion de sécurité que malheureusement, Junior, comme peut-être... il débute aussi, ne l'a pas encore, je pense. Ouais. Il y a un choix qu'il faudra faire. Moi, je pense que si tu dois gagner ce match-là, il faut jouer à deux attaquants. Il faut jouer avec Maja et Badji parce que tu auras plus de chances de libérer Maja et d'avoir de la présence dans la surface de réparation si Rodez décide de jouer un bloc un peu plus bas. Après, tu as l'option aussi de jouer à trois au milieu, mais sur ce match-là, moi, je prendrais tous les risques. Honnêtement, je prendrais tous les risques. Mais justement, après, Ludo, tu te dis pas que c'est là où le risque il peut être intéressant dans un milieu à trois, où moi, je me dis, en fait, dans un milieu à trois, tu mets Tom Lacou qui va t'apporter une certaine sécurité. Je suis pas un grand fan, mais sincèrement, aujourd'hui… Moi, la sécurité, j'en mets qu'un. Oui. Et c'est Manga ou Lacou. Tu fais un choix. Mais justement, pour moi, je mets plutôt, si pour lâcher les chiens, je mets Mwanga et Lenny Piringuel un peu plus haut. Parce que Mwanga, effectivement, il peut jouer la sécurité, mais c'est un des joueurs qui a le plus de ballons et surtout, c'est un des rares joueurs cette saison qui est capable de casser une ou deux lignes. Surtout quand on est face à des blocs serrés. Et là, si tu joues contre un Rodez un peu replié, c'est un des seuls mecs qui a la vista, l'intelligence de jeu pour aller en un regard essayer d'aller tenter la passe. Que Franck Sergio fait de moins en moins, il tente beaucoup de frappes de loin, c'est souvent, il a fait un peu cette fâcheuse tendance à vouloir faire la différence tout seul. Et Piringuel, pour moi, va t'apporter ce jeu un peu plus léché, on l'a vu vendredi, arriver à pouvoir mettre des centres à mi-hauteur, un peu traître, quoi. Moi, je commencerai avec Franck Sergio quand même, parce que dans ce genre de match, je te dis, moi, je l'ai vu, j'étais là contre Saint-Étienne. Il a une faculté comme ça, quand il est bien, à se projeter comme ça, à venir comme ça, en deuxième couteau, en deuxième lame. Je te dis, il l'a fait beaucoup de fois cette année. Alors, le problème, je te dis, c'est qu'il est un peu cyclique. Donc c'est vrai qu'on a un avis mitigé vis-à-vis de lui. Je trouve que le jeune, peut-être à l'heure de jeu, tu sais, si tu vois qu'à un moment donné, ça tique un peu ou même très vite en deuxième période, bon, bah, tu bascules et tu tentes autre chose. Je ferai quand même confiance à Franck Sergio dans un premier temps. Après, Mwanga, il doit faire plus. Il doit faire beaucoup plus. Mais t'es pas déçu justement de cette qualité technique du milieu de terrain des Girondins globalement sur la saison ? Le gros problème qu'il y a, c'est que c'est souvent Greg Arsène et Johan Barbet qui initient les actions. Donc tu as tendance à sauter un peu ton milieu de terrain. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi souvent ils viennent au ballon, alors que finalement tu devrais être un cran plus haut déjà et laisser l'initiative du jeu à Johan et à Greg Arsène. Parce que si tu regardes sur la quasi-totalité des matchs, les impulsions, elles sont données par les deux défenseurs centraux, souvent, qui eux prennent le terrain et cassent des lignes avec des passes, de 30-40 mètres. Et on a tendance à venir trop souvent venir chercher le ballon dans les pieds à 3 mètres de ces joueurs-là, alors qu'eux ont la capacité de pouvoir le faire. Donc, tu perds déjà un joueur dans la construction un peu plus haut. Et je pense que tu devrais garder un joueur de plus dans la construction plus haut. Ça fait partie de la prise de risque. On va pas se mentir. Si tu veux aller chercher la montée, il va falloir aller mettre 4-5 buts. À moins d'un miracle,
Est-ce que Dijon va aller battre Le Havre? J'en suis pas sûr. Donc, ça va probablement se faire à la différence de but. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut, il faut donner le rythme du match tout de suite en disant, voilà, nous, ce soir, on lâche les chevaux et le but, c'est pas de se dire si on va gagner, c'est combien on va gagner. Et là, même dans l'approche, des joueurs, parce que quand tu vas leur mettre dans la tête, déjà, on va gagner ce match-là, c'est de savoir combien on va gagner. Bah, tu les mentalises déjà à la réflexion de OK, ce match-là, on va le gagner, mais combien? Ça va leur donner une dynamique, ça va leur donner l'envie d'aller de l'avant, ça va leur donner. Ça inhibe la peur, hein, parce que la peur, elle vient quand, quand tu ne sais pas trop quoi faire, quand tu es entre deux, quand tu te dis, allez, on va attendre. Ce match-là, tu ne peux pas le subir. Il faut que tu sois acteur, total acteur de ce match-là. Bon, on a une très belle analyse de Ludovic Obraniak sur le jeu et l'abord, comment ce match doit être abordé. Salut David Guillon qui doit nous écouter. Mais non, mais non, je ne sais pas. David, il sait, David, il il sait sait, faire. mais oui, je David, il sait plaisante. faire. Messieurs, vous avez une question sur la saison, toujours sur la saison ou sur le match à poser à Ludo? Non, après moi j'ai par rapport justement à David Guillon, on avait le débat justement avant que tu arrives, Ludo, par rapport à lui, il y en a qui disent qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Moi j'en suis pas effectivement sûr. Est-ce que tu penses que David Guillon a su tirer le maximum de son groupe ou est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire, notamment dans le jeu? On critique souvent notre jeu, on trouve que le jeu n'est pas hyper flamboyant. Moi je le trouve effectivement plus solide que le flamboyant, mais ça ne me dérange pas. Mais est-ce que tu penses qu'il y avait mieux à faire de la part de David Guillon cette saison ou est-ce qu'il y avait des choses que toi tu aurais fait différemment peut-être? Bah, les gars, on peut toujours faire mieux, quoi qu'il arrive. Simplement, rappelons-nous d'où on part. C'est toujours bien quand tu as un avis et que tu as un bilan de fin, c'est de savoir d'où tu es parti quand même. Rappelez-vous, on n'était même pas sûr d'être en vie. Tu repars avec une base de jeunes dont tu n'avais quasiment aucune certitude, hein. Aujourd'hui, les Mwanga, les Bakwa, on est tous à même de dire ah oui. Mais au départ, il n'y en avait pas ni vous ni moi. On était, à moins qu'il y ait des supporters assidus de la nationale, enfin de l'équipe réserve. Mais on n'avait aucune certitude par rapport à ce qu'allait être, ce qu'allaient devenir ces joueurs-là. Si, aucune, pour moi, ça me paraissait improbable que Bordeaux soit dans les deux sur la première année. Aujourd'hui, David Guillon nous met en capacité de pouvoir justement jouer cette seconde place. Si toutefois il nous amène à monter, ben, moi je dis qu'il mérite d'avoir le droit de continuer avec ce groupe-là. Il mérite le droit parce que ça voudra dire qu'il aura tiré la quintessence de ce groupe-là, qui était un groupe qu'il fallait reconstruire, tant dans la capacité de trouver des automatismes et des schémas de jeu, parce qu'il faut repartir de zéro, hein. Il est reparti quasiment d'une page blanche, hein, David Guillon. Donc, on parle de jeu, de tout ça. La Ligue 2 est déjà un championnat très difficile. Et puis, tu peux pas comme ça, en un an, avec quasiment que des jeunes imposés. Et je trouve que finalement, Bordeaux l'a plutôt pas mal fait. Si montée il n'y a pas, bah, peut-être qu'il faudra se poser la question. Moi, c'est surtout sur le plan physique. Je trouve qu'il y a des garçons qui sont en train de piocher sur le plan physique. Je trouve que Bakua est plus celui qu'il était, et je pense qu'il aurait été peut-être intéressant de le faire travailler un peu différemment. Vous savez, le sortir un peu de l'équipe et de lui refaire un peu un programme individuel pour qu'il se refasse la cerise à côté et qu'il retrouve du jus. Je le trouve complètement émoussé ou je le trouve complètement au max de ses capacités physiques. Il n'arrive plus à faire des différences de 1 contre 1, il a plus le coup de rein, il a plus le jus. Un garçon comme Ignatenko, pareil, je trouve que ça a baissé dans l'intensité, ça a baissé dans le. Donc, si peut-être il y a un truc sur lequel j'aurais un peu plus axé, on a la chance d'avoir des super spécialistes à Bordeaux, et notamment le doc Laurent Labbé, qui est un des meilleurs cardiologues d'Europe et qui a tout un centre à Codéran pour pouvoir justement travailler sur les tests physiques sur tapis. Moi, j'avais bossé avec lui parce que j'avais à un moment donné, j'arrivais plus à franchir un palier physique. Et donc, en bossant avec lui sur 3-4 semaines, on avait fait énormément de tests. Il avait décelé que mon asthme d'enfant me mettait dans la capacité. J'avais du mal à me mettre dans le rouge sur les premiers quarts d'heure.
Donc on avait adapté tout un programme pour me faire monter d'un demi en VMA. On avait mis en place des séances le mercredi. Donc moi, le mercredi, je coupais une partie de la séance avec l'entraîneur Francis Gillot, il avait accepté. Donc je faisais des runs comme ça à 17, 18, 19 km/h pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes pour augmenter mon seuil et ma capacité. Et puis les échauffements. En fait, j'avais joué sur les échauffements comme je sentais que j'avais du mal à monter. Je faisais des échauffements beaucoup plus poussés pour aller chercher mon deuxième souffle. Et donc, vous vous rappelez du but de Montpellier? Où Je je pars du parle. milieu de terrain, je pars du milieu de terrain et je mets la balle piquée, ça, sans avoir travaillé avec le staff chez Impossible. Bordelais à cette époque-là, j'aurais jamais pu le faire. Donc, vous avez des gens qui travaillent vraiment très bien à Bordeaux sur justement la recherche de la performance. Et je trouve, si je devais avoir un petit bémol, c'est que je trouve que l'équipe, elle manque un peu de gaz sur certains postes sur cette fin de saison. Ça t'avait pris du temps pour avoir des résultats sur cette capacité Un mois. physique? Un Un mois. mois. Ah ouais, c'est rapide. D'accord. Un mois. Ah ouais, c'est Un mois. rapide. Je suis Un sûr que mois. c'est hyper rapide. Mais après, c'était en bonne entente avec le coach, avec et donc le En mercredi, en VMA. fait, je coupais la séance. C'est-à-dire que je faisais la première partie de séance et après je coupais la séance. J'allais en salle, il y avait le tapis de course. Et donc je faisais des séquences de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes à 17, 18, 19, 20 km/h. J'ai répété ça pendant un mois et franchement, je vous dis, le but que je mets contre Montpellier, normalement, c'est pas dans mes standards. Soit je me fais rattraper, soit je me fais rattraper par le défenseur, soit je mets le pied sur le ballon à 20 mètres du truc, puis je retrouve une solution. Là, Ouais, t'avais la Mariano. confiance que j'avais physiquement m'a permis de me dire, allez, je vais au Mais... bout et je vais réussir à aller au bout. Voilà. Hyper intéressant. Merci. C'est super intéressant. Merci pour ce partage Non, mais ça montre d'expérience. aussi que c'est des choix après. C'est-à-dire que quand tu veux aller pousser les curseurs, tu peux toujours aller Bien sûr, pousser plus haut le mais curseur, tu tu vois peux ce que je veux toujours. dire. Et après, c'est une hygiène de vie, c'est des choix après, effectivement, dans ta carrière et tout, te dire à un moment donné, bah, écoute, j'ai besoin effectivement de travailler ça, il faut que je le fasse à fond. Donc il faut que tu adaptes tes entraînements, ton hygiène de vie, ton échauffement, etc. et tout. Après, est-ce que tout le monde veut le faire? Ça, c'est encore un débat, c'est toujours pareil après, derrière. Après, il faut que la démarche, elle vienne aussi du joueur, hein. C'est-à-dire que moi, j'avais décelé que j'arrivais plus à passer un cap. Après, si les joueurs, eux, enfin, je veux dire, c'est quand tu as 30 joueurs, 30 mecs dans ton groupe, tu peux pas t'occuper de tout le monde non plus comme ça. Non, bien Faut sûr. que la démarche, faut que la démarche, à un moment donné, elle vienne aussi du joueur. De se dire, moi, j'ai envie de progresser, moi, j'ai envie de faire mieux. Tu vois, j'ai l'intime conviction que si Franck Sergio, il passe un cap physique à l'image de ce que moi, j'ai pu faire, c'est un monstre. Je pense que c'est un monstre. Parce qu'il a une intelligence de jeu, il a une intelligence de pied. S'il arrive à passer ce cap un peu physique, je pense que c'est une machine de guerre. Tu crois que c'est possible passer 30 ans? C'est toujours possible. Moi, j'avais. Alors attends, j'avais 29 au moment où je l'ai fait. En fait, le corps, il s'habitue à tout. Le corps, quand vous lui imposez des charges de travail, au début, c'est dur. Vous allez avoir des courbatures, vous allez avoir des choses, des trucs. Mais ça veut dire que pendant un mois, bah, j'ai un petit peu pioché, j'étais un petit peu moins titulaire. Sur les matchs de Coupe d'Europe, je demandais peut-être à sortir à l'heure de jeu parce que ça m'a pris beaucoup de jus pendant un mois. Mais par contre, au bout d'un mois, un mois et demi, putain, je me sentais un autre joueur. Je pouvais même, j'étais presque un box-to-box. Incroyable. Messieurs, il Il faut reste le vouloir. 5-6 minutes. Tout à l'heure, tu sélectionneras une question du chat, Conan, que tu poseras à Ludo. Je sais pas, tu l'as peut-être sélectionné. Avant ça, messieurs, il y a une question que vous voulez aborder avec Ludo. On profite que tu sois là et merci encore pour participer à notre émission. On se l'était promis C'est à vrai. la soirée, je sais C'est plus vrai. quelle, C'est à Garden laquelle, Party où la Garden Party. on a été allé. On avait un partenaire qui nous avait invités, à Gino et à moi. Tout à fait. On était très contents de t'avoir Johan, croisé. Ah, merci salut. de tenir parole. Ça fait plaisir. Messieurs, vous avez une question à poser, pas forcément sur l'actualité ou sur lui, sa carrière. Moi, j'en ai préparé, mais je vous laisse la Mais parole. justement, Ludo, tu en as parlé un petit peu, le comité 1881 dont tu fais partie. C'est quelque chose dont on a très peu d'informations en étant supporter. On sait qu'il y a quelques actions qui se passent, notamment dans des clubs de foot sur certains secteurs, où il y a des gens qui viennent pour promouvoir un peu le club dans les clubs de la région, ce qui est plutôt sympa. Mais sur les autres actions qui se passent, on a très peu de retours.
Et on aimerait bien savoir justement, ben toi, par exemple, comment tu vis ce comité 1881 et par exemple, quel est ton rôle pour les Girondins? Bah, je trouve déjà que c'est une super démarche, comme l'a dit le président. Certes, il a de multiples entreprises, il a créé énormément de choses, mais c'est vrai qu'avoir l'avis de gens bah, qui ont connu au cœur, qui ont été au cœur de l'activité, fait que ben, ça lui donne des pistes, ça lui donne des indices sur la façon de développer le club. Alors après, attention, moi je me mêle pas du sportif. De temps en temps, le président me demande ce que je pense ou ce que j'ai pensé d'un match, ou ça peut arriver, mais il y a énormément de missions qui sont données à tous les membres. Ça peut aller du lien avec la Ligue d'Aquitaine, ça peut aller du lien et du renforcement du lien avec les instances du football français, la Ligue de foot professionnel et la Fédération française de football. Ça va à la création du musée pour contribuer à maintenir et instaurer une identité forte girondine au sein du club. Ça peut aller du développement de l'équipe féminine et de l'entourage, c'est-à-dire d'aller travailler avec les clubs pour que notre équipe féminine performe et peut-être travailler sur un centre de formation. Voilà, c'est plein de petites missions comme ça qui concernent le club. En fait, c'est retrouver une filiation avec le local, se rapprocher des gens qui font l'environnement du club, qui aiment ce club, leur dire voilà qu'ils ont toute leur place et que bah, finalement on vient tous d'un club amateur quelque part. Le Girondin doit être le club de cœur et doit être le club prioritaire lorsqu'il y a un jeune qui sort à droite ou à gauche dans la région Aquitaine. Bah voilà, c'est pas un jeune qui doit se retrouver à Nantes, c'est pas un jeune qui doit se retrouver à Angers, pas un jeune qui doit se retrouver ailleurs, c'est un jeune qui doit se retrouver au Girondins de Bordeaux et qui doit avoir cet amour du club parce que, eh ben, à un moment donné, moi je trouve que la création du musée est vraiment une super idée parce que si tu veux faire baigner les gens dans l'univers des Girondins, on voit en plus cette nouvelle génération qui pioche, hein, comme ça, qui prend que des choses par-ci par-là. Bon, bah, faut être présent partout, faut être présent sur les réseaux, faut être présent pour pouvoir justement initier cette nouvelle génération à ce qu'est les Girondins, raconter une histoire. C'est toujours ça en fait, c'est de raconter une histoire aux gens. Les gens, ils ont envie qu'on leur raconte quelque chose. Et c'est ce que le président Lopez essaye de faire. Je crois qu'il s'est amouraché du club. Il veut aller plus loin. Il est conscient qu'il y a encore des chantiers qui sont. Oui, on va pas se mentir, le chantier, il est colossal. De par aussi la manière dont Longuepé a détruit tout ce qui pouvait l'être entre les Girondins et son environnement. Donc on est en train de recoller les morceaux et d'essayer d'avoir un club, une région, un département plus uni, plus et empreint de bon sens. En fait, c'est le bon sens. C'est jamais mieux. Aujourd'hui, regardez. On va chercher des fruits en Nouvelle-Zélande, en Australie, en machin, en truc. On a des problèmes de taxes carbone, mais on fait des trucs. Alors qu'on a des petits artisans chez nous, des petits agriculteurs qui bossent. Enfin, tu vois, il faut revenir à des choses On va plus simples, en chercher des fait. joueurs Oui, en alors, Roumanie, nous. mais. Arrête, arrête, ça, pourquoi pas? Non, Mais mais c'est bon, vrai, on ouais. est allé chercher un Il y joueur a en des deux. Roumanie, hein, Ouais, il faut alors des qu'on deux. avait Il faut que Logan des de deux. Laurier Chauvet. mais la preuve en est, Ouais. Non. c'est que si Bordeaux Ouais. ne descend pas, si Bordeaux ne se retrouve pas dans une situation financière délicate, est-ce qu'on les voit là, tous les jeunes qu'on a vus cette année? Non. Pas sûr. Ah Pas ben, sûr. ouais, mais Mais Ludo, alors non. ça, c'est de la Pas faute du sûr. propriétaire qui nous a fait une politique 14 joueurs d'un coup, recrues à gogo, trading, j'en veux-tu, en veux-tu, en voilà, et Jean. qui a changé de braquet largement. Heureusement. Mais le propriétaire est pas fou, tu sais. Je crois pas que Ah, ben, quelqu'un j'espère, je j'espère. crois pas que je crois pas que quelqu'un qui met de l'argent dans son club, et c'est ce qu'a fait Gérard Lopez par le biais de sa boîte quand même. Il faut pas l'écarter d'un revers de la main. À un moment donné, tu es aussi obligé de gagner de l'argent. Et Gérard Lopez, ce qu'il explique, c'est que très difficile aujourd'hui de gagner de l'argent par le sponsoring, par tous ces biais-là, en fait. On s'assoit principalement sur les droits TV. Les droits TV, on a vu avec Mediapro ce que ça a donné. On ne sait pas, là, ce qui va se passer avec Amazon. Est-ce qu'Amazon va y retourner? Est-ce que la Ligue ne va pas être trop gourmande? Est-ce qu'il va y avoir un nouvel arrivant? Si vous voulez, on a toutes ces pistes-là. Et quand tu vois
ce que coûte le club depuis des années, hein, depuis M6. Hein. Mmh. Ouais. En fait, il y a beaucoup de gens qui se nourrissent sur la bête hein, ça. Depuis M6. Hein. Donc, si vous voulez, même déjà à l'époque d'M6, le club, il perdait entre 7 et 10 millions d'euros par an. Tout à fait. Donc, comment vous faites? C'est pas si simple que ça. Évidemment que tu es obligé parfois, quand tu n'as pas trouvé un équilibre, bah, tu es obligé de faire de temps en temps, de vendre un joueur, alors un jeune que tu aimerais garder, mais tu es obligé de le vendre parce que sinon tu ne peux pas payer les autres et tu ne peux pas équilibrer les caisses. Aussi, c'est aussi ça le rôle d'un président, c'est d'équilibrer la balance à un moment donné. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi. Donc, vous vous rendez bien compte que les rentrées d'argent, elles ne sont pas multiples en ce moment. Donc, moi, je comprends ça. Après, je pense qu'on peut travailler un petit peu plus intelligemment en termes de recrutement. Il faut élargir, il faut mieux bosser. Il y a des clubs qui arrivent à trouver des joueurs pas chers et qui en font des super joueurs et encore des joueurs expérimentés, quoi. Il y a des coups à faire partout quand on bosse bien. Donc, c'est tout un mélange de travailler sur l'académie et la formation parce qu'on l'a vu, bah, finalement, ça travaille pas si mal. On a réussi à sortir des jeunes qui ont le niveau de la Ligue 2, ils l'ont prouvé. Et puis à côté de ça, bah, il faut les accompagner de joueurs d'expérience. Et ces joueurs d'expérience, bah, ça devient de plus en plus difficile de les convaincre, de les trouver. Mais aujourd'hui, le monde nous laisse l'opportunité de si on veut vraiment fouiner et chercher, il y a des choses à faire. Regardez, il y a des clubs qui travaillent très bien. Regardez Reims. Vous allez chercher Balogun et Ito. Ben, Balogun et Ito, ils feraient pas mal de grabuge à Lyon, à Rennes ou ailleurs, vous voyez. Donc c'est ça aussi, c'est toujours mieux travailler et peaufiner parce que la construction d'un effectif, c'est pas si facile que ça. Question rapide, là on voit un discours quand même assez rodé, Ludovic, de l'expertise avec toute l'expérience que tu as. Un investissement dans un club, je sais que tu avais eu une expérience d'entraîneur, mais là tu es ouais. Sur l'équipe, hein, tu es chroniqueur très régulier. Hein. Une expérience dans un club comme ça, c'est possible pour toi? Bah, c'est ce que je recherche actuellement. Ah d'accord. Je pense pas me positionner sur le rôle d'entraîneur, mais cette année, quand tu regardes un petit peu les clubs, tu te rends compte qu'il manque finalement quelqu'un. Entre un directeur sportif et un entraîneur. Il manque quelqu'un qui vient faire le tampon, qui peut être à la fois représentant la voix du président, faire le lien avec l'académie. On voit qu'il y a plus en plus de directeurs sportifs aujourd'hui qui sont plus forts dans les transferts que dans l'accompagnement sportif. Et on voit que les coachs, ils ont tellement de choses à gérer au quotidien. Regardez Christophe Galtier, il a passé son année à gérer des histoires, des trucs qui ont ni queue ni tête. Mais lui, comment il peut se concentrer sur son rôle d'entraîneur? C'est déjà assez difficile comme ça de coacher. Moi, je l'ai vécu. C'est de la folie, ce job. Donc, il faut délester parfois un petit peu l'entraîneur, lui laisser un petit peu plus de place pour faire ce qu'il a à faire et trouver un homme comme ça, idoine, ce que j'appellerais un coordinateur sportif, qui vienne faire le tampon et qui fédère, en fait, qui vienne mettre de l'huile dans les rouages. J'ai vu des clubs, moi, où le directeur du centre de formation et l'entraîneur de la réserve ne parlent pas au staff pro. Ils ne se parlent pas, ils ne s'aiment pas, ils ne se parlent pas, ils se passent rien. Et comment voulez-vous bosser dans ces conditions? C'est impossible. Hein, donc, des fois, il y a des problèmes générationnels, il y a des problèmes d'ego, de choses. Donc, il faut, à mon sens, un homme qui sache faire le lien entre les gens. Je pense que c'est quelque chose que je sais faire. J'ai été... Vas-y. Ah. Je pense qu'on va récupérer le son. Tu as dû avoir un appel, peut-être. Ouais. Non, il a dû avoir un appel, je pense. Il a dû avoir un appel. Mmh. Alors, c'est un club qui l'appelle, justement. Ouais, c'est un club qui l'appelle. Très bon. Non, mais j'avais discuté avec des scouts qui disaient, mais le directeur sportif, c'est plus un directeur de recrutement. C'est... Mmh. Voilà. Donc, on le voit avec Admar, c'est un métier. Hein. Donc, lui, il est très fort en transfert. Enfin, en tout cas, son expertise, c'est les transferts, on va dire plutôt. Mais après, derrière, effectivement, en termes de coordinateur sportif, etc., et tout, c'est vrai qu'on ne sent pas le club non plus
on va dire. Moi, c'était intéressant, Dans hein, ce là, domaine-là. l'échange. Après, Oui. je crois qu'il a fait de la politique aussi. Oh, ça se sent. il est là, Oui. Ludovic. Oui, Pardon, pas de souci. Non, non, quand j'ai pas de reçu un souci. appel, ça Ouais, m'a pas de souci. déconnecté. Pas de souci, on va faire rapidement. On se disait que c'était peut-être un club qui appelait, là, qui était en train de te regarder. Il Mais a dit oui, appelez tout de suite. c'est ça. Non, mais pour Ah finir, je oui. disais que en fait, je pense avoir une crédibilité aujourd'hui de par ma carrière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour pouvoir avoir parlé aux joueurs. Je pense que des fois, c'est bien aussi de soulager le coach et que quelqu'un puisse intervenir autre que le coach, parce que le coach, il ne peut pas avoir 30 discours tous les jours, mais les joueurs ont de plus en plus besoin qu'on fasse du cas par cas. Donc avoir accompagnement là, avoir un accompagnement avec l'académie. On a quelqu'un à qui je pense beaucoup ces derniers temps, c'est Pierrot Labat. Voilà, on a quelqu'un qui a inventé une méthode révolutionnaire que tous les grands qui sont passés par les Girondins inventent. Je sais pas, peut-être que ça serait bien aussi d'avoir des gens comme ça, de se servir de des gens qui ont compté pour le club et qui ont des choses intéressantes à proposer, notamment à la formation et à l'académie. Il y a le développement des féminines. On a une super équipe de féminines qui ne demande qu'à progresser. Donc voilà, tout ça, vous voyez, il y a beaucoup de gens, mais il faut quelqu'un qui puisse se fondre dans ce paysage-là et créer des connexions. Et ça, moi, je sais faire. Voilà. Donc Ben, le message est passé. c'est aujourd'hui, non, mais c'est aujourd'hui ma recherche. C'est Non, aujourd'hui mais ma très bien, recherche intéressant. c'est de faire ça. Voilà. Bon. T'as encore combien de temps avec nous? 5 minutes? Oh, j'ai C'est du bon? temps, moi, les gars. J'ai du 5 temps, moi. minutes? Bon, après, monsieur, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Je disais que t'as eu une expérience politique aussi, j'ai vu. Donc c'est vrai, ouais, Bah, c'est c'est. pour ça que j'ai touché un peu à tout. Je connais tous les milieux. Je commence à connaître un petit peu les rouages parce que, évidemment, au foot, dans le foot, il ne vous a pas échappé que la connexion avec l'environnement politique, il est hyper important. Tu ne peux pas être coupé de ton environnement politique. J'ai l'exemple, puisque moi je vis dans le Nord à Valenciennes, où le président de Valenciennes et le maire se détestent royalement, quoi. Donc comment tu veux. Enfin, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir faire sans justement les instances locales. Donc ça aussi, c'est très important d'avoir des gens, le conseil régional, le maire, la ville, enfin voilà, d'avoir les gens derrière soi et de travailler en harmonie, en fait, parce que le club, il ne peut pas s'en sortir tout seul. Parler toujours de moyens. Il faut qu'il y ait un accompagnement aussi de la ville et de la région. Parce que c'est les Girondins de Bordeaux, ça fascine. Ça fascine. Alors, ça a fasciné beaucoup, ça a fasciné un peu moins, mais ça doit fasciner à nouveau dans les années à venir. Donc, ça, c'est en collaboration avec tout le tissu régional, à mon sens. Bon, tu nous as fait une politique sportive là. Tu nous as fait le. C'était très très Mais non, mais complet. Non, tu non, te mais rends c'est compte, bien. tu te rends Oui. compte que tu te rends compte que il y a 2 ans de ça, ils voulaient faire payer les clubs amateurs pour venir voir les Ah entraînements. oui, bon, c'est Non, encore une mais histoire là. Là, on était dans l'excès inverse, ça c'est sûr. non, mais Mais là, bon, bon, là, bon, voilà. ah On est oui, d'accord. on partait Mais au plus bas là. par contre, j'aimerais parler de quelqu'un qui fait un super boulot, Thomas Jacquemier. Je peux vous assurer qu'il fait un boulot extraordinaire. On n'entend pas beaucoup parler, mais je peux vous dire qu'il bosse beaucoup. Et j'ai trouvé en échanger pas mal de fois de par le biais du comité. Je trouve qu'il est vraiment un garçon très intéressant et qui s'investit beaucoup pour le développement du club. La question du chat, merci Ludo. Là, pour ceux qui nous regardent, il y a plus de 600 connectés en direct, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal. Hein, Ah mais les gars, c'est pas n'importe qui là quand même. Ah ben oui, non, non. Eh oui, eh oui. Bon, Conan, alors Conan non plus, c'est pas n'importe qui. Le Il a une barbare. casquette, il a Le une barbare. casquette d'aviateur parce qu'il pilote le chat, tu vois, on est très dans la mise en scène. Donc Conan, on t'écoute. Quelle question tu veux poser? Les chatteurs veulent poser à Ludo. C'est une question, en fait, beaucoup on en parlait en souvenir et là, un l'a posé en question, un petit retour en arrière dans tes souvenirs, Ludo. José Dantas, si t'as posé la question, ton but contre Lille, 3-4. Ouais, magnifique. 5-4, 5-4. 5-4. 5-4, 5-4. pardon. Quand 5-4. tu t'allonges, à quoi tu penses quand tu Qu'as-tu t'allonges ressenti à ce moment-là? Où Marius croit que c'est Florent Marange. C'est vrai en plus.
Alors, qu'est-ce que je ressens? Je ressens, je sais pas, une espèce de soulagement parce que finalement, ce qui m'amène à venir aux Girondins, c'est un peu un. Pour être honnête avec vous, hein, je pars un peu à contre-cœur de Lille. Je pars un peu à contre-cœur. Je suis poussé un peu vers la sortie parce que parce qu'après l'année du titre, j'avais la certitude d'être en duel et en concurrence avec Dimitri Payet, parce que Gervinho signait à Arsenal. Et j'avais reçu des offres, notamment d'Auxerre, pour retrouver mon ancien entraîneur, Jean Fernandez, l'année d'avant. Et on m'avait fermé la porte en me disant qu'on comptait sur moi. Que, voilà. Et lorsque Rudy Garcia recrute Joe Cole le dernier jour du mercato, j'ai pris ça comme une trahison. Donc, je lui avais signifié que je partirais au mois de janvier. Et donc, j'arrive à Bordeaux. Et il y a tout un quiproquo parce que normalement, j'aurais pas dû jouer ce match-là. Parce que dans les négociations, on avait plus ou moins laissé entendre que je jouerais pas le match contre Lille. Sauf que le président Trio vient me voir et il me dit, mais c'est quoi ces histoires-là, comme quoi tu vas pas jouer contre Lille? Bah, je dis, président, dans un ego, pour que ça se fasse, on a dû, à un moment donné, je dis, en tout cas, mon agent s'est engagé à dire que je ne jouerai pas le match contre Lille. Et président Trio, il me dit, mais vous avez craqué, je t'ai acheté, t'es pas en prêt. Donc, tu vas jouer. Prépare-toi, tu vas jouer. Oh, bah, je dis, président, moi, pas de problème, je joue. Hein. Je dis, après, mon agent, il se démerdera avec sa parole. et finalement, j'ai joué ce match-là et. Et j'ai vécu mon départ comme une injustice et j'avais besoin de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Ouais. Et je m'étais fait le scénario 1000 fois dans ma tête. Je voulais vraiment marquer le coup et montrer aux dirigeants lillois et notamment à Rudy Garcia qu'ils s'étaient trompés. Et puis, je crois que si j'avais voulu écrire un scénario, franchement, j'aurais pas pu trouver meilleure fin et faire monter la pression et la tension et. Et c'est vrai que ce but, il est libérateur. Il vient me conforter déjà dans mon choix d'avoir signé à Bordeaux. Parce que je sais que, je crois que j'avais marqué contre Toulouse juste avant. Donc je sais du coup que ma saison est lancée et que je vais pouvoir m'intégrer correctement dans ma nouvelle équipe. Et puis rappeler aux gens du Nord que voilà, j'étais parti à contre-cœur et que j'en avais gros sur la patate. Voilà, ce jour-là, je voulais montrer absolument quel joueur j'étais et que ça avait été une connerie pour eux de me laisser partir. Très belle anecdote. Et du coup, c'est ton but le plus spécial de ta carrière? Bah, de ma carrière, ma carrière, je sais pas, mais en tout cas, il a un but de Stade de France, non? En fait, il a beaucoup compté. T'as raison, parce que il a fait le deuil avec ce but-là, enfin avec ce doublé-là et ce but à la dernière minute. J'ai fait le deuil de mon passage à Lille. Et ça m'a permis d'enclencher complètement l'histoire avec les Girondins. Excellent. Ouais. Excellent. Messieurs, vous voulez rebondir sur ça, autre chose, ou poser une question? Moi, l'anecdote que j'ai avec Ludo, c'est le match contre l'Étoile Rouge où on prend un but, on est à 10, on prend un but à la 91e ou 12e. C'est incroyable. Et t'as un mec qui part, tu dis, parce que j'en sais, fait tout sur les têtes baissées comme ça et tout. T'as un mec qui part avec le ballon, chercher un gardien qui avait une tête improbable, d'ailleurs, je pense son nom. Je revois trop la dégaine du gardien. Et là, le gardien, il est naïf comme pas possible. Et Ludo joue parfaitement le coup. Alors, je sais pas s'il y a vraiment péno ou pas, je sais pas si tu peux me le dire ou pas, mais. Moi, je vais me jeter, je vais me jeter clairement dans ses pieds. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et l'arbitre avait été infect avec nous pendant tout le match. Je me suis dit, peut-être que sur un coup du sort, il va siffler. Donc là, le gardien, déjà, il ne doit jamais sortir. Il sort loin de sa surface. Donc je me dis, je l'attente. Mais en fait, j'ai vu tout le monde abattu. Mais tu sais quoi? Ils nous ont tellement chambrés. Ils nous ont tellement. Ça a été une telle bataille mentale et psychologique où ils ont essayé de nous faire sortir du match. Ils nous ont chambrés, ils nous ont taillés, ils nous ont. Ils nous ont mis des coups à chaque fois que, franchement, j'avais une rage contre cette équipe. Et puis, je m'en voulais un peu du match aller. Parce qu'au match aller, j'ai une balle de 1-0 et je ne la mets pas. Donc, si tu veux, quand on prend ce but-là, c'est vrai que tout le monde est la tête baissée. Et moi, je me dis, putain, il va se passer encore un truc. Il va se passer encore un truc, il reste un peu de temps. Et c'est vrai que je suis parti à l'abordage total. Et puis, le coup du sort, ce ballon qui
Je crois que j'ai jamais couru aussi vite d'ailleurs pour essayer de le récupérer. Et puis après, voilà, je me jette à corps perdu en me disant, bon, voilà, c'est. Allez, de toute façon, je peux pas tenter autre chose. Je suis lancé, je peux pas m'arrêter. Lui, il me sort dessus. Puis il y a ce penalty-là. Après, il fallait une paire de gaufres pour aller le tirer, le penalty. Hein. La gouffe, Ouais. La Franc, ouais. gouffe, il On l'a était pas plus, bien, bon. ouais. On était pas bien, ouais. Mais Ouais, c'est ouais. un des plus, mais c'est un des plus beaux Et moments. T'as raison bon de le match, citer parce ouais, que bien sûr. je me souviens, l'ambiance, elle est dingue dans le stade. Ouais, Elle mais est oui. ouf. Le stade n'est pas Alors qu'il est plein, pas plein, il est pas plein, mais ouais, c'est clair. il y a une C'est un ambiance match de de Coupe fou. d'Europe. C'est un match de Coupe Coupe d'Europe, d'Europe, une bien sûr, ambiance c'est de ça, vraiment, l'Europe. c'est Exactement. ça, c'était. Nous, on a quand même, on était un petit peu rodé à ça, et c'est vrai Ah, mais que. derrière, grâce à ça, on fait huitième de finale de Ligue Oui, Europa quand même. Benfica. Et Benfica qui va la gagner, en plus, si je dis Et pas de ouais. bêtises. Et Cardozo qui nous fait un match extraordinaire au retour. Et dire que vous nous critiquiez à l'époque, on n'était pas si Mais si, on n'était non! pas Oh, si pas du tout, pas on du a, tout. on a gagné, T'étais pas on là! a gagné une Coupe de France, on a gagné une Coupe de France, on Allez! a fait huitième de finale de Ligue Et Europa, ouais, on a fini exigeant! cinquième. Ludo, on Ah est mais exigeant! On est Ludo, 80 ans, on était exigeant! champion de France quand Eh même, tu vois. oui, c'est pour ça qu'on est exigeant! Ouais, mais on sortait du Mais, titre et tout. Ouais. Bien sûr, on a passé des bons moments, hein. vous aviez encore le caviar dans la Non, bouche, la non, mais louche, c'est la ça. louche de caviar. Ah, c'est C'est ça. important, Tu sais c'est qu'aujourd'hui, important, l'exigence. Tu aujourd'hui, sais quand que. on parle de toi, de Gilo, etc., on dit à Bien quelle belle sûr. époque. Des bonnes années, bien sûr, des Ouais. bonnes années. On l'avait reçu, Francis Gillot, ici. On Ouais, a bah, passé plus super, d'une heure super avec lui, entretien. c'était Ouais, magnifique. super Magnifique. intéressant. C'est lui qui a inventé les pistons dans le foot, hein. C'était un précurseur. Ouais. Mais oui. Et dans C'est les ça. relations techniques, justement, Ludo, de cette C'est ça. année-là, tu as dû te régaler quand même, non? Parce que moi, je me rappelle ce côté droit, ça fonctionnait super bien avec Mariano, notamment, Ouais, qui était avec toi. Enfin, il y avait des joueurs super intéressants. franchement, régalade. Ouais. Régalade. Game Il y au avait milieu. Mariano d'un côté, Trèche de l'autre, Maurice Bellet qui jouait avec Trèche. Maurice Ouais, Bellet, tu bien avais sûr. Yo Gouffran. Moi, j'adorais jouer Bien avec Yo. sûr. Il avait des super appels. J'avais une connexion avec lui incroyable. Tu mettais des centres. Il y avait Cheikh qui te faisait un coup de karaté ou un coup de tête venu d'ailleurs. Et puis Henri Cévé, oh, Henri Cévé, Oui. Yaro, la relation avec Yaro. Puis derrière, on n'avait pas des unijambistes non plus. Hein. Marc Planus, quand il avait décidé, Marco, il avait des transversales, c'était des passes laser. Hein. Non, puis il y avait surtout ce qui fait le sel de tout ça finalement. Et c'est ce que je ressens un peu cette année. Je regoute un peu à ça. C'est l'atmosphère qui se dégage du groupe. C'est l'atmosphère qui peut se dégager du groupe. J'ai l'impression que le groupe, alors ils sont encore un peu jeunes, tu sens que c'est pas encore la franche camaraderie, ils poussent pas trop le truc, mais tu sens que ça peut venir. Nous, à l'époque, mais c'était la franche rigolade. Hein. Et l'année du titre avec Lille, 2010-2011, mais on faisait que se marrer tout le temps. T'arrivais le matin, t'étais pressé d'arriver au vestiaire. Et ça chambrait ci, ça chambrait là, David Bélion, Maurice Bellet, Gouffran et tout. Lamine Sané, putain, on faisait que se marrer tout le temps. Et en fait, il y avait une connexion entre nous, on était tout le temps ensemble. Après, même en dehors, on faisait plein de choses. Et c'est ça, finalement. On peut chercher midi à 14h, on peut la tactique, la technique. Si les mecs, ils sont pas comme ça, alors après, tu n'es pas obligé d'aimer tout le monde. Mais si globalement, les mecs, ils s'aiment pas, tu vas nulle part. Regardez Paris. Regardez Paris. Tu peux avoir les meilleurs joueurs à tous les postes, à tous les trucs. Si les mecs, à un moment donné, ils n'ont pas envie d'être ensemble, tu peux rien faire. Et ça, c'est aussi au club, c'est aussi le stage de début de saison et à l'entraîneur. À un moment donné, les connexions, elles se font là. Mais elles se font dans le hors-foot. Tu vois ce que je veux dire? Elles se font dans l'activité canoë que tu vas faire, dans la Ouais, course c'est une histoire d'homme, d'orientation, quoi. dans C'est la une course histoire d'homme. d'orientation, dans le truc. Et c'est ça, Rudy Garcia avait très bien compris ça. Lors de notre préparation estivale de la saison 2010-2011, mais on avait fait plein d'activités comme ça. Et donc, c'est là où les joueurs, ils apprennent à se connaître. Parce que quand tu es le nez dans le guidon, à faire les entraînements, les trucs, mais en fait, tu es toujours concentré, tu es toujours en concurrence, tu es toujours ci, tu es toujours ça. Donc, tu n'apprends pas vraiment à te connaître, tu n'apprends pas vraiment à aller chercher l'autre. Par contre, dès que tu es dans des activités un peu plus, tu vas te faire un bowling, une pétanque, tu te laisses deux, trois sorties avec le staff, sans le staff, tu vas boire deux, trois bières et machin. Mais c'est là en fait où tout se fait. C'est là où tu crées ton groupe. Et ça, parfois, il y a des entraîneurs qui l'oublient. Où ils font. Il faut aussi savoir apporter du ludique à travers les entraînements, parce que les joueurs, ils se lassent vite de la routine.
Nous, enfin, j'ai connu les entraîneurs, ils nous amenaient à travailler la technique par un match de hand, par exemple, ou par un match de basket. Tu vois, un peu déconnecter le cerveau des habitudes et puis l'esprit de groupe. Pour moi, c'est la clé de tout, c'est ça. C'est comment arriver à mettre les joueurs en connexion. Parce que les joueurs d'eux-mêmes, ils ne le font pas toujours. Eh bien, merci, Monsieur Ludo Bragnac, Merci à d'avoir passé ce moment avec nous. On pourrait faire deux heures, vous. mais Merci à on vous. a déjà débordé par autant qu'était prévu. Merci pour ce partage d'expérience et d'avoir répondu à toutes les questions. Merci. Et puis, Bonne soirée, les gars. à À bientôt sur bientôt. l'équipe À privée et bientôt. peut-être dans un Salut, club. Peut-être dans un club. on se verra peut-être vendredi, je serai au stade. Eh bien, aussi. Ah, cool. Ah, bah, avec Voilà. grand Faut plaisir. arriver tôt. Ludo, faut arriver tôt. Il va y avoir du lourd, apparemment. Je vais Ouais, et arriver, je vais si, arriver tu peux rentrer. Si tu peux rentrer pour un ou deux coups francs dans les dernières minutes, on dit pas non. On a barbé maintenant, on est pas mal. Ça coûte Bon, plus arrêter, on est pas mal, on est mieux. prends les crampons avec quand même encore. C'est vrai. Allez, salut les copains. Allez, salut, Merci, bonne soirée. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ah, quel bon moment. C'était magnifique. Excellent moment avec Ludovico Bragnac, vraiment. Messieurs, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bon, on va pas débriefer le moment, mais Top c'était du agréable. top. Ouais. Alors, le Très agréable. caractère du bonhomme était à l'image du joueur. Moi, c'était ça. C'était un joueur qui était un peu râleur, mais qui avait tout le temps envie de gagner. Moi, dans mes souvenirs, et ça se voyait vite à la tête quand ça allait pas. En fait, quand ça allait pas, bon, il a fait comme il le voulait, ça se voyait Oui, vite. voilà, c'est ça. Mais je me rappelle d'un mec qui voulait vraiment, qui fit rentrer sur le terrain pour gagner. Et ce qu'il a fait par rapport à son physique, à sa capacité physique, c'est quand Oui, même bien vrai. et il Voilà, nous ça a montre bien. Il s'échappe pas. Et qui s'échappe pas sur les dossiers. Après, t'es d'accord, t'es pas d'accord? Et qui a amené au-delà du foot où il connaît et c'était Oui. hyper intéressant, c'est que sur tous les sujets, au moins il a répondu. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur les choses, mais au moins il répond. Je regarde Conan, dont t'as vu sans la casquette, je n'ai pas reconnu. Je me suis dit, mais qui c'est qui est là? Il a enlevé sa casquette. Et quand tu l'as remis, je lui ai dit, oula, je me suis vu l'Allemagne 1940-45. Oh non! Je me suis dit, ah mais Oh si, il y non! avait un Non, 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 non! petit côté. Non, bah, Non, il fait je n'ai pas fait les film gestes en historique. Bon, plus, allez, hein. bref. Oulala. Allez, On va bref. pas partir d'un. Non, non, non. Oula. Ah, mais il fait Messieurs, chaud et ça et transpire. là, dans l'interview, il nous a quand même dit des choses. Il nous a dit Ah, des choses. oui. Pas quand même, il nous a dit des choses très intéressantes sur son avenir et ses souhaits. On en reparlera plus tard, mais c'était vraiment pas mal. Allez, messieurs, on repart dans la réalité maintenant. La réalité nous rattrape. Les scénarios pour la Ligue 1, hein, c'est moins marrant. Je suis désolé. Les Ça, scénarios c'est pour pas la montée. marrant, Nico. Si. Si, Je c'est marrant. S'il faut prendre peux l'avis faire du ça bon qu'à l'année côté. dernière, quand même. Merde, quoi. Oui. Bon, alors, c'est génial. Voici tous les scénarios pour la Je dis Ligue pas 1. que c'est génial, mais bon, voilà, il faut pas non plus Alors, bouder son plaisir non plus. Je sais que c'est pas tout à évident fait. après la claque qu'on a reçue, mais on joue quand même quelque chose de positif comparé à l'an passé déjà. Donc voilà. Bordeaux, alors je vous le lis, vous me dites ce que vous en pensez, vous réagissez, vous dites ce que vous voulez. Bordeaux en Ligue 1, si Bordeaux bat Rodez et que Metz ne gagne pas. Voilà, c'est simple. Si Bordeaux bat Rodez avec plus de 4 buts d'écart et que Metz gagne, alors je vais reformuler. Si Bordeaux gagne et que Metz gagne, il faut que Bordeaux marque plus de 4 buts, plus que Metz. Si D'accord. Metz gagne 1-0, il faut que Oui. Bordeaux gagne 5-0. Voilà. Voilà. Par rapport au match de Metz. J'espère que c'est 0. clair. Ouais. Enfin, si Oui. Bordeaux bat Rodez avec au moins 2 buts d'écart et que Le Havre perd, Bordeaux est en Ligue 1. C'est-à-dire, si Le Havre perd face à Dijon, il faut que Bordeaux gagne avec 2 buts d'écart. 2-0, par exemple. 3-1. Si Bordeaux fait match nul contre Il joue Rodez où le Havre? et que Metz perd contre Bastia, Bordeaux est en Ligue 1. Je déteste ces types de configurations. Et si Bordeaux perd contre Rodez, Oui, bah oui. là c'est très peu probable. Hein, là. Oui, bah Il oui, faut que voilà. Metz perde par plus de 4 buts d'écart par rapport à la défaite des Girondins. C'est-à-dire que si Bordeaux Voilà. perd 1-0, il faut que Metz perde 5-0. Ouais, Ça j'avais va servir. prendre 3 cartons rouges sur un match cette saison, Metz, donc on sait jamais contre Guingamp. Alors, bon, mais ce qui est bien, c'est qu'avec tous ces scénarios, ça accrédite ce qu'a dit Aubragnac. Tu penses à rentrer sur le terrain et à mettre le plus de buts possible Voilà. dans un La foule premier des temps. pions, voilà. À un Voilà. moment donné, le Ça, truc c'est passe clair. un peu Parce qu'un tableau comme ça, hein, même pour les plus. mecs, hein, c'est ingérable. Hein. Donc, il Ah. faut rentrer vraiment hein, tambour battant et pour y aller. Hein. Ah, moi, j'ai dit, c'était match de Coupe d'Europe retour, on a perdu 4-0 à l'aller. Il faut en mettre ça. Ah, il y a de ça, c'est Voilà. vrai, c'est Tu pas vois, la bête. fin pour Pas moi, idiot. c'est Oui, dans avec l'esprit. l'atmosphère, l'ambiance, Bien sûr. etc. et tout, Bien ce sera sûr. match pour moi de Coupe d'Europe, comme j'ai dit au Bien débrief, sûr. Bien sûr. vendredi.
Bon, c'est tout, messieurs, sur le chat, Conan Non, très ou bien. Samuel. Samuel, fais pas de commentaires, t'as pas envie. Non, mais je me baissais, c'est ça revient T'as à ce que j'ai écrit. dit sur mon premier enseignement, moi. Donc, Ça. je reste Ok. dans la cohérence. Ludo aussi l'a dit. S'il faut leur en mettre 15 et faire un score de rugby et qu'on se mêle avec l'UBB à la fin, bah, voilà. Ok, bon, bah allez, je Non mais passe. en plus, Grand-chose d'autre à marquer ajouter. t'amènera à mettre la pression sur les adversaires, c'est dit sur le chat et c'est très vrai. Puisque comme ça va être ultra connecté sur tous les terrains, si on a le bonheur de mettre un à deux buts dans les 20-25 premières minutes, par exemple, ce qui serait énorme, hein, mais on mettra la pression sur nos adversaires directs. Surtout qu'ils ont encore quelque chose à jouer. Qui ça? Rodez. Rodez. Rodez, Dijon et Oui, pas oui, mal. Oui, regardez, ouais, tout le monde. Rodez, 16e Tout le avec monde, mais à 43 part points. Bastia, mais Bastia veut, Voilà. apparemment veut pas lâcher. Donc on Contre verra. Laval. Donc Rodez, vu qu'ils Donc ont là, il faut encore qu'on quelque chose fasse un à jouer, pacte avec tu leur mets Pascal un Dupont, en but, fait. tu leur mets la pression, ils C'est vont ça, se sentir Samuel. obligés de sortir. Avec Pascal Duprat et avec Régis Brouard, qui a rassuré tout le monde hier. Non, Brouard, il a dit hier que il a rigolé quand on lui a dit que c'était Bordeaux le dernier match. Donc on va pas. Non, sur On va... l'équipe, il a dit, bien sûr, on jouera le jeu à fond. Oui, On va non, voir. parce que c'est On la va voir. fierté bastiaise, mais bon, Il va pas dire l'inverse, si hein. voilà, ouais, exactement, merci Joe. On va voir sur le terrain. Mais par contre, ouais, Duprat, Dieu sait que j'en ai dit, c'est pas du mal. C'est ça fait partie des pires entraîneurs pour moi qui existent sur cette pauvre terre. Mais je lui souhaite de faire un match exceptionnel et d'en mettre trois au Havre, parce que pour moi, c'est peut-être notre ticket, il est peut-être Ouais. là finalement, quoi. Ce sont ses matchs préférés, Sam, hein, pour lui. Il se C'est ça, construit là-dedans, hein, c'est du mon phrase. Hein. time. Et en Bien plus, j'ai sûr. moins de, comment dire, le Havre, s'ils font troisième, ils font une super saison quand même par rapport à ce qui était prévu. Donc, j'ai moins de remords, quoi. Enfin, ça serait incroyable que le Havre soit pas Ah ouais, ça serait ne monte sur la pas, mais saison, soit oui. dominé Sur de la l'histoire de la tête aux saison, oui. épaules. Et surtout, Ah ouais. s'ils Pour les montent pas, joueurs, à mon avis, grand danger derrière pour eux. ça S'ils serait ne montent pas, vraiment là, la par fin. contre, ça C'est sent ça. pas bon pour Mais eux. malheureusement Et ça qu'ils sera la montent grand deuxième danger saison, pour non? eux aussi. C'est ça le problème pour eux. Ça serait la deuxième saison où le Havre est dans les bonnes places et au final se fait Non. griller sur la fin. Non, l'an passé, ils étaient un Non, peu le plus Havre. loin. Ouais. Non, l'an passé, ils Le étaient un peu Havre plus était loin. 10e l'an passé. C'est une équipe qui n'était vraiment pas programmée pour être là. Hein. C'est limite sur ce dernier match, c'est Bordeaux-MS Ah non, c'est qui la aurait saison dû être aux d'avant. deux premières places, quoi. C'était la saison d'avant où il y avait. Comment c'était? Kadémeré, ou je ne sais plus comment, celui qui a été recruté par Lyon. Kadewere, Kadewere, ouais. Kadewere qui joue à Lyon après. Ouais. C'est là qu'ils ont donné, ouais. Ils ont Ils sont sorti pas mal de barrages. joueurs, hein. C'est vrai qu'ils sortent des joueurs, hein. C'est un club formateur, le Ça a Havre. toujours été un gros club formateur. Toujours été un grand club Clairement. formateur, ouais. Clairement. Bon, messieurs, on va passer à ce match face à Rodez. Joe, tu fais une présentation adversaire ou pas? Non, Oui, j'ai ou étudié un pas? peu ça ce Non. week-end du coup. Donc bah, après pour voilà pour présenter un peu leur saison, bah, c'est une équipe qui a lutté pour le maintien toute la saison, hein, ça c'est pas une surprise. Après leur élimination en Coupe de France en quart de finale contre Toulouse, ils ont enchaîné 6 victoires en 7 matchs. Au 30 avril, ils étaient après le match contre Saint-Étienne, ils étaient 12e à 7 points d'avance avec 7 points d'avance au premier relégable. Donc ils se sentaient plutôt bien. Tout le monde disait que Rodez devait se maintenir sans trop de difficultés. Et depuis, ils sont sur une série de 5 rencontres sans victoire, dont 3 nuls. Ça reste une équipe qui perd peu, hein, quand même 3 défaites sur les 12 dernières journées. Donc c'est plutôt une bonne série pour une équipe qui joue pour le maintien. Ils étaient quand même très très mal embarqués en tout début d'année. Ils étaient même derniers à un moment donné. Donc ils sont quand même très très bien remontés. Le problème, c'est que du coup, avec leur coup de mou, ben, il y a des concurrents comme Laval, Annecy et Dijon qui sont sur des bonnes séries, qui sont revenus du coup à leur hauteur. Et la défaite contre Pau ce week-end les a mis en grand danger de relégation, ce qui n'était pas trop le cas jusque-là depuis plusieurs journées. Mais effectivement, là, il y a la sonnette d'alarme qui a été tirée à Rodez là, à partir de vendredi. Très sincèrement, beaucoup s'inquiètent pour eux aussi, maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a encore la journée précédente. Voilà. C'est qui les hommes forts dont il faut se méfier, ce sont lesquels? Alors, il y en a pas là. Il y en a un, c'est Kylian Corridor, du coup, qui est arrivé, si je dis pas de bêtises, dans le mercato d'hiver, qui est l'attaquant. En fait, Rodez, c'est une équipe qui s'est basée sur, depuis qu'il y a eu Santini, là, le nouveau coach qui est arrivé en novembre, qui a remplacé Perlat, si je dis pas de bêtises, du coup, qui est arrivé en novembre. L'équipe, elle s'est reconstruite défensivement. C'est la meilleure équipe, enfin, c'est la meilleure défense de la seconde partie de classement avec 44 buts encaissés, en sachant qu'ils avaient pris beaucoup de buts en première partie de saison. Ils ont pris, là, ils sont sur des moyennes qui sont plutôt intéressantes là sur la seconde partie de saison. Donc ils sont beaucoup améliorés effectivement défensivement.
C'est une équipe qui est rarement malmenée, malgré ce qu'on peut penser. Il y a des pistons comme Senaya Abdallah, qui sont des bons joueurs défensifs, qui arrivent à bloquer bien les côtés effectivement des adversaires. J'en parlais avec Saint-Etienne, avec Cafaro et Nkoutkou, qui ont quand même c'est quand même des côtés forts. On les a pas trop vus sur ce match-là. Et c'est une équipe qui sait mettre du rythme et aller vite vers l'avant. Ce qui profite du coup à Kylian Corredor, qui est un attaquant plutôt rapide, hein, du coup, et qui est souvent la conclusion effectivement des contre-attaques. Donc attention à ces attaques rapides-là et à ce joueur-là quand on perdra le ballon. Greg Hersen, je pense, pourra quand même le contenir. Hein. Je pense qu'il pourra, il aura quand même largement la capacité effectivement de le tenir. Mais attention aussi, parce qu'on sait qu'ils vont nous attendre. On sait que nous, on va jouer à fond l'attaque. Enfin, il y a de grandes chances en tout cas. Attention aussi derrière à ne pas trop se déséquilibrer, notamment au départ, parce qu'on pourrait on pourrait se mettre en danger un peu bêtement. Voilà. Ok, et tu t'attends. Bon, ça sera un match spécial, hein. Je sais, ça sera pas un match comme les autres. Non, voilà, ouais. Bon, comment Bordeaux doit l'aborder? Mais je pense que vous avez déjà tous répondu à cette question depuis le début de cette Après, émission. non, voilà. Donc, je sais pas L'adversaire, il quoi n'est vous pas important poser. en fait sur ce match-là, en fait. J'ai envie de te dire, l'adversaire n'est pas vraiment important, même si ça aurait été bien en fait, que eux ne jouent rien. Mais parce que c'est une équipe qui physiquement tient plutôt bien le rythme des matchs aussi, quand même, depuis plusieurs mois. Et ils ont tendance à marquer beaucoup de buts en seconde mi-temps et surtout à l'extérieur. Donc ce match-là sera 90 minutes. Et ce n'est pas parce qu'on fait la différence d'entrée qu'il va falloir se relâcher après derrière, hein, comme on l'a fait malheureusement trop souvent cette saison. Ils ont quand même quelques faiblesses. Voilà, c'est une équipe qui tente peu de frappes. Il faut toujours qu'ils soient dans des situations très idéales du coup pour marquer. Sur les 9 derniers matchs, ils ont marqué, je crois, 2 fois plus d'un but. Donc c'est très très rare. Ils cadrent en moyenne moins de 4 tirs par match. Donc voilà, c'est pas beaucoup pour marquer des buts. C'est une équipe qui commet beaucoup de fautes aussi et ils prennent beaucoup beaucoup de cartons jaunes. C'est l'équipe qui prend le plus de cartons jaunes dans la première demi-heure. Donc pareil, ça va beaucoup hacher le jeu, etc. aussi et tout. Faudra que nous on s'en garde aussi un petit peu notre sang-froid par rapport à ça. Techniquement, c'est une équipe qui est pas terrible, hein, on va pas se le cacher. C'est l'une des pires équipes en termes de précision de passe en Ligue 2 cette saison, et c'est l'équipe qui a le moins bon pourcentage de possession en Ligue 2 cette saison. À l'extérieur, par contre, sur les 8 derniers matchs, ils sont sur 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites, notamment effectivement une défaite au Havre dans la minute sur un but contre leur camp, avec un match qui était très solide. Donc c'est une équipe qui est plutôt solide à l'extérieur malgré tout, en tout cas dans la seconde partie de saison. Et ils ont pris Voilà, ils ont pris plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Donc voilà, il va quand même. C'est une équipe qui sait en tout cas se déplacer malgré tout, malgré son classement. Maintenant, voilà, c'est une équipe qui s'est vue un peu sauvée au mois d'avril, en tout cas fin avril, qui perd peu mais qui ne gagne plus. On sent qu'il y a un vrai vent de panique, en tout cas c'est depuis la défaite contre Pau. Beaucoup d'observateurs les condamnent maintenant. Mais c'est une équipe qui va nous laisser le ballon, qui va commettre des fautes et qui a la capacité de nous mettre en danger sur les contres. Donc c'est pas vraiment un cadeau de finir quand même la saison sur cette équipe-là. Il va falloir rentrer comme il faut dans ce match, comme on a dit, prendre le match du bon, on aura fait du bon bout, parce qu'on peut vite se crisper et vite se mettre le public à dos si effectivement au bout de 15 minutes on sent que l'équipe a du mal à bouger cette équipe de Rodez. Et l'entame de match, elle va être pour moi décisive. Je pense qu'on l'a tous dit, mais si on marque pas d'entrée dans les 20 premières minutes, je ne sais pas si on va arriver à faire quelque chose derrière. Voilà. C'est intéressant. Merci Joe, ton pronostic. Et on salue le Lensois qui vient d'arriver. Jérôme Lagache. J'ai envie de dire 3-0. 3-0 pour Joe. Je Ouais. rappelle que la semaine dernière, Joe, tu étais le plus proche du résultat, même si tu l'avais pas trouvé, tu avais pronostiqué un 0-0. Ouais, j'ai dit match nul. Tu Je l'as pas pensais qu'on trouvé allait à 2 points. nul. Okay. Allez, monsieur Samuel Vasselin, ton pronostic et ce que tu as envie de dire sur le match, si tu le souhaites. Moi, il y a juste un truc où je suis pas forcément d'accord avec Joe, c'est que c'est pas plus mal que Rodez ait de la pression sur ce dernier match, parce que c'est peut-être aussi une pression qui peut leur causer du tort, tout en sachant qu'ils vont se déplacer pour eux face à peut-être le pire adversaire possible sur cette dernière journée. Ils le Donc disent, ils le disent. voilà. Vraiment, ils le disent. C'est le pire rendez-vous qu'on puisse avoir quand on joue le maintien, quoi. Donc. C'est pour ça, installe à 42 000 places, etc. Donc, je pense que peut-être que leur idée, ça va être d'essayer justement un peu de copier Annecy et de bousculer Bordeaux d'entrée. Mais je pense quand même qu'avec
qu'avec c'est pas le 12e homme là, c'est il y a 42 000 personnes hein, dans des stades où d'habitude Rodez, rappelez-vous à l'aller, il y avait 736 supporters dont 90 qui étaient des Girondins quoi. Donc et qui n'ont pas pu rentrer aussi. Et qui n'avaient pas pu rentrer en plus. mais qui faisaient plus de bruit en étant dehors que tous les mecs qui étaient dans le stade. Bon, voilà. Et c'est pour dire qu'ils n'ont pas l'habitude non plus. Donc je pense que voilà, ça peut aussi jouer à leur défaveur. J'ai pas vraiment de pronostic, Nico. Je vais te dire ce que j'espère. Je suis peut-être naïf, mais c'est ce qu'il faut faire pour monter en Ligue 1. Si Bordeaux veut monter en Ligue 1, c'est un tarif. Mmh. Allez, on va dire. On va dire 6 pour être raisonnable, mais si on peut monter à 7 ou 8, c'est bien. Le jeu, on est en plein Roland-Garros, donc 6-0. 6-0, je l'ai noté. C'est noté, hein, Samuel. Tiens, moi, je donne le mien 4-0. Moi, 5. 5-0 pour moi. Gino, 5-0. Voilà. On n'a jamais fait des pronostics. On n'a jamais fait des pronostics comme ça, quoi. Ah non, mais bon, condition exceptionnelle, on espère que ça arrivera. Ça se trouve, ça sera totalement l'inverse. Et on va se planter, là, ça peut aussi, c'est le foot, hein. Ouais, il y aura 3-0 pour Bordeaux. Ouais. Ça sera suffisant, 3-0. S'il gagne à 0, Metz, pas. On est mort, 3-0. Peut-être ou pas, on ne sait pas. Hein. Après, il peut y avoir un match nul. Moi, je compte plus pour un faux pas de Le Havre ou de Metz. Ouais. Oui, moi aussi. Pour moi, si on Metz monte... Ça peut faire un match nul. Hein. Le truc, c'est qu'en fait, les Girondins, on n'a pas, on a pas du tout notre destin entre nos mains, là, à c'est présent. Ça. Et moi, je me permets un instant mesquin, mais vu que David Guillon a fait un excellent travail cette saison, on a battu cette équipe à l'aller 3-0. Cette équipe est très, très faible. Moi, je l'ai encore vu sur les deux derniers matchs. C'est quand même une défense passoire, une équipe assez faible. Franchement, Rodez, c'est très compliqué à regarder quand t'aimes bien le foot. Hein. Bah, ils se sont relâchés de façon, là. Et sur un match catastrophique comparé à ce qu'il y avait il y a un mois, c'est catastrophique. Donc, vu qu'on a gagné 3-0 en début de saison avec une équipe qui était totalement, soi-disant, à la ramasse, il fallait un magicien pour arriver à les faire marcher, je pense qu'avec toute la fameuse progression spectaculaire qu'on a vue cette saison, comme beaucoup le pensent, c'est pas demander la lune de demander un 4, un 5 ou un 6-0. Ou alors, c'est pas ou alors, impossible. Ou alors, c'est si clair. Ou alors, si on en doute, c'est que ça veut dire beaucoup. Et c'est pas un détail pour vous. Ça veut dire beaucoup pour nous. Non, après, le seul doute que j'ai, comme je l'ai dit, moi, c'est la... Il faudra c'est jouer la... debout. Le seul doute que j'ai, c'est dans quel état... Enfin, c'est Badji et Maja. Badji qui ne marque plus depuis 2 mois et Maja qui, depuis sa pénalty contre Laval. L'action qu'il a contre Annecy, pour moi, doit aller au fond. L'action qu'il a où il frappe sur le gardien, où il est au point de pénalty... On doit marquer dans ce match-là, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Mais il faut que l'attaquant marque. Il doit marquer, quoi. On va pas parce que finalement, Joe, dans ton enseignement, tu dis la solidité. On prend qu'un but. Hein. Alors, c'est vrai que Poussin fait des arrêts importants. Mais on prend qu'un but. Et Bossetti est éclaté aussi. Non, mais rappelle-toi, en début de seconde mi-temps, les comptes qu'on prenait en début de seconde mi-temps, où Poussin, il te sort aussi une parade. Oui, parce que... Moi, la solidité, je ne l'ai pas vue comparé aux autres matchs. Hein. Moi, voilà. Sincèrement, parce que Bossetti, le piqué de Bossetti, alors oui, Poussin fait un bel arrêt dessus, mais tu as un joueur de foot et pas un Bossetti, quoi, je ne sais pas ce que c'est. Ça rentre hein, tous les jours. Ouais. Après, je voulais juste faire une remarque sur encore quelque chose que j'ai remarqué ce samedi, sur les 4-5 derniers matchs, ça fait quand même 5 matchs qu'on a les staffs qui causent problème, les staffs adversaires qui font une histoire à chaque fois dans le match. Une histoire soit avec les supporters, soit avec, là, c'était quoi ? C'était l'histoire avec le ramasseur de balles. Donc, le ramasseur de balles, c'est un petit jeune, ça, il n'y a rien là-dedans. Mais c'est à l'origine, c'est le geste que fait l'entraîneur ou l'entraîneur adjoint. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a eu un petit rassemblement sur... Il y a eu un moment donné, il y a Barvé qui va gueuler après l'adjoint parce qu'il ne veut pas rendre le ballon. Voilà, il ne veut pas rendre le ballon, ça part en embrouille. Mais les gars, on est quand même dans un match de foot. Mais c'est quand même bizarre, c'est que ces embrouilles de staff, je ne dis pas qu'il n'y a que à Bordeaux parce que j'en ai déjà vu sur 2-3 autres matchs, mais chez nous, ça commence à devenir récurrent. Plus on approche la fin de saison, plus c'est récurrent. Et... Bah, Annecy, ils ont pourri le match, Conan. De toute façon, Annecy, ils ont pourri le match. Mais c'est normal, ça fait partie de leur stratégie pour le remporter, cette rencontre. À partir du moment où on est assez bête pour prendre un but au bout de 10 minutes, eux, ils ont tout intérêt. Moi, c'est vrai que pendant le match, je ne vous dis pas le nombre de noms d'oiseaux qui ont volé dans ma télé,
et les années de malheur que j'ai pu souhaiter à certains joueurs, parce qu'effectivement, les mecs ont passé à chaque fois qu'il y avait moins de contrats, une demi-heure au sol. Mais en même temps que tu t'énerves devant ta télé en tant que supporter, c'est très bien en tant que passionné que, bah, dans le cas inverse, tu dirais à Bokele, vas-y gamin, reste par terre, remets-toi la chaussette droite, puis la chaussette gauche, revisse tous les crampons un par un, c'est malheureux, c'est le jeu. Quand on jouait contre le PSG en Ligue 1, on faisait pareil. Après, c'est pareil aussi quand tu prends d'autres choses. On parlait d'arbitrage tout au début. Ça serait bien que l'arbitrage devienne un peu plus dur quand même en France. Parce que prendre quand même Maja quoi, en première mi-temps, c'est combien? C'est 7, 8, 9 ou 10 ballons qu'il reçoit en milieu de terrain pour lancer le jeu, 10 fois qu'il prend des fautes, dont 5 par le même joueur, et deux autres joueurs qui se partagent à 3 et 2 les autres fautes. Pas un carton jaune de distribué. Il y a un moment, les gars, C'est par des fautes tactiques. Bah quoi, on sait qu'il tombe par terre, machin, tout ça, on siffle pas. Ouais, mais par contre, là, quand lui, il met la semelle plusieurs fois, tu dis, il veut casser le match. Donc, tu mets une biscotte, ça calme tout le monde, et le match, il reprend bien. Ok, mais tu l'as Bah, dit c'est mon petit clairement. côté coup de gueule. Je m'énerve un peu, là, je me rappelle les scènes dans la tête, et je suis en train de m'énerver, donc je vais me calmer. Reste calme, Conan, ne casse C'est pas bon, le chat l'ordinateur. va m'entendre. Ne casse pas l'ordinateur. Messieurs, un dernier mot. Est-ce que vous voulez? Oui, Samuel, tu voulais parler? Non, non, pas du tout, Ah, je croyais que tu me allais caresser la dire nuque. quelque chose. Ok. Très bien. Et très sensuel, Sam. Très bien. Est-ce Nico, que. Oui. ouais, un petit dernier mot. Moi, je vais dire un grand salut, mais déjà à tous les supporters qui étaient encore très, très Pour nombreux à Samuel, la Annecy. musique, qui se caresse la nuque. Ouais, les supporters qui étaient très nombreux à Annecy. Et ceux qui étaient aussi au M1 Bar, au Bassin à Flou, il y avait plus de 250-300 personnes sur l'initiative d'Emeline, donc c'était un très très beau moment. Voilà, on espère qu'il y aura énormément de monde, mais ça, on n'en a pas de doute, il y aura plus de 40 000 vendredi. Venez tôt au stade, parce que le club prépare des choses, et notamment dans l'avant-match qui sera très différent des autres matchs. Donc soyez au stade le plus tôt possible, parce que ça va être une journée spéciale et très différente des autres. Allez, c'est Voilà. dit. Samuel, un dernier mot? À vendredi, avec plaisir pour tous les sociaux, c'est ce qu'on fait abandonner. Chez Coco, en face À du fond, Pullman. vendredi, il y aura beaucoup de monde. Ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Joe, un dernier mot? Ouais, je suis toujours là. J'ai bugué, mais je suis toujours là. Du coup, mais ma Ah oui, je te caméra voyais m'a plus mis bouger. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'étais là, il regarde quelque chose. Il prend la Non, je pause profite pour la comme ça. peinture. C'est ça. Si j'ai profité comme ça fait un peu Jules César, je trouve. Ouais, mais Mais je sais, ouais, mais c'est mon côté italien pas qui s'est fait Jules dire. César Salade, mais voilà, Jules César Ouais, Salade. c'est ça. C'est ça. On a Alain, Didier et Benoît, ils sont déjà devant les grilles. Attendez un peu, les gars, quand même. Il reste On salue quelques Chef Romain. dodos, comme dit Benoît, hein, et le On chef salue au Chef Romain de Canada. Toronto qui va vivre ça de Ouais. Toronto. Je rappelle qu'il y Ouais. aura un débrief à chaud à 23h. Ça sera Antoine qui le présentera. On fera des duplex depuis le stade et il y aura un avant-match à 20h aussi qui sera fait avec des duplex depuis le stade. Voilà, ça c'est dit. Et il y a la libre antenne jeudi soir pour ceux qui veulent s'exprimer avant cette rencontre. Joe est ventriloque, nous dit Vincent Garcia. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est ça, je maîtrise bien cela, ventricoli, tout à fait. Allez, Conan, bonne soirée. Tu voulais rajouter quelque chose, Conan? Ah, pareil, hein, comme Samuel, vendredi, malheureusement, je ne pourrai pas venir au stade parce que j'ai quand même 5 heures de route pour venir et vu l'heure où je Sûr. termine le boulot, je n'ai pas le temps. J'arriverai Bien pour la sûr. fin du match. Mais je serai derrière la télé, je serai avec tout le monde, comme on Sur le sera tous live. unis, je Devant, pense. devant, devant. Parce que si t'es derrière, ça va être con, quoi. Alors, on va dire tout dépend comment se passe le match et les autres résultats. En fait, je peux vite me retrouver avec la télé derrière parce qu'elle aura volé. Parce que si On t'es reste derrière, tu vas calme. pas avoir grand-chose. Mais après, c'est un concept, hein. Non, mais je pense que je vais faire comme depuis 2 week-ends. C'est tout va être accroché. J'ai des grilles, des barreaux à mes fenêtres chez moi et je suis au rez-de-chaussée. Non, 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 J'ai mais gagné attends. ça, En j'ai gagné fait, ça. il est en prison. Non, mais je. il fait depuis sa cellule. Il nous fait des J'ai un vidéos. maton. J'ai un On maton pour remercie. me surveiller. On remercie le centre pénitentiaire. Je déconne pas, Il avait j'ai des peur, grilles et du coup j'accroche tous mes vêtements, les écharpes et tout, elles sont tous accrochées. Le son, il est à fond comme pas possible.
Les gens dans la rue, quand ils passent, ils regardent. J'ai même eu d'ailleurs un père de famille qui est passé avec son gosse et qui n'a quoi. Il a tourné la tête, il a vu l'écharpe, il a fait Allez Bordeaux! Donc, c'est sa vie. Tout le monde sait dans la rue que Bordeaux vit ce jour-là, tu vois, même si on est à Toulon. Eh bien, c'est parfait. Merci Conan de partager ta passion avec nous. Salut aussi à Johan du Château Enclos Mazères, à Enzo, Aruna, sportif solo, et tous les autres que je vois. Laurent de Brive aussi, Boris, Karim qui était là sur le chat. Merci messieurs. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Ouais, pour moi on est bon. Allez, Et merci pour passez. les likes, 260 quand Ouais, même. merci. Merci à vous pour les likes. Ouais, Et je vous merci mets à le tout le lien monde. pour devenir sociaux. Allez-y, rejoignez-nous. Et la prochaine, on espère qu'on sera en Ligue 1, la prochaine émission. Ah oui, prochain talk, c'est lundi. Ça serait magnifique. Croise les doigts. Allez, on se quitte avec le générique des sociaux. Sinon, ce Passons. sera chaud. Il n'a pas Non, pu se retenir. je vous Il avait préviens, muté vous son me micro en connaissez. plus. Il avait tout Tout le monde est là, mal l'espoir. Putain, la Non, mais vous me préviens, pédale. on annonce. Si on va en Ligue 1, je serai l'homme le plus heureux du monde. Si on n'y va pas, sans tout jeter à la Voilà. poubelle, on aura pas mal de choses à dire. Ça, c'est la pression positive, ça. Là, on est. Voilà. On n'enverra pas le joueur, Non, mais. il y a beaucoup de supporters depuis 18 mois qui me cassent les pieds là, en Ligue Oh 1 sur là les là, ça va positions. Moi, envoyer qui là. fais tous les titres, je les attends là, avec le marteau. Les joueurs, faites ce qu'il faut, Bon, hein, que bon, ça ne mitraille pas l'année, s'il vous plaît. merci aux joueurs de faire ce qu'il faut. Merci. Allez, Johan, motive tout le monde. Allez, bonne Allez. soirée. Salut à toutes et Bonne tous. soirée à Bonne tous. soirée. Ciao, ciao. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you're special. So let me take you somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower. Teach ya how to open up real nice, baby.